Aussi improbable qu'un bon film, Les 4 Fantastiques, d'Arvec, le podcast numéro 6. Je suis en compagnie de plein, mais plein de monde. On a quand même notre quota féminin avec Valéria. Voilà. Dis bonjour. Voilà. Valéria, notre correspondante mexicaine. Après notre correspondante allemande avec Fanini. J'ai bien sûr la joie d'être avec Simon Le Borgne. T'as quand même hésité quand t'as dit la joie. Hein. Ouais, parce que j'hésitais aussi à appeler Zachary le chevalier blanc. Haha. Dis bonjour. Ok, ça va. Ilo ou Florian, comme vous voulez, qui nous aide en ce moment avec sa casquette violette. Bonjour. Nous avons aussi le plaisir d'inviter pour la première fois dans un podcast Red. Que j'ai fait. Red, est-ce que ça va? C'est bon, comme Magritte. C'est bien. Ceci n'est pas un Florian. Nayem. Bonjour. Ah, j'ai du mal ce soir. Soul. Salut. Monsieur Soulou. Pleine puissance. Greg, qui est également pour la première fois durant ce podcast. Est-ce que ça va bien, Greg? Eh oui, ça va, merci. Et bien sûr. Et Nicolas. Merci. Et on va bien sûr commencer par le sommaire. Donc cette fois-ci, c'est. T'as des groupies, t'as vu? Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On est ton t-shirt. Non, mon t-shirt Road Warrior, je le laisse. Ah, par contre, je m'étends un peu les jambes. Voilà, nickel. Alors. C'est un produit quand même, hein. Haché sur le parti à 10€ avec les frais de port à 2€. Donc on va commencer avec le sempiternel oui. Dernier Keuge. Ensuite on fera l'Eratum sur le Man in Black, l'épisode numéro 5 de Darek. Oui. Et oui. Le thème de ce podcast numéro 6, ce sera le scénario d'un jeu vidéo sorti la... Oh, j'ai écrit le scénario d'un jeu vidéo sorti à son scénario. Génial. Yeah. Le scénario d'un jeu vidéo sorti à son gameplay ou inversement. Enfin, pour terminer, comme d'habitude, il n'y aura... pas de chronique cette fois-ci, parce que on a la flemme. Non, techniquement, j'ai pas eu le temps de préparer une science-fiction et Simon n'a regardé aucun Smallville. Moi, je m'attends, on m'a prêté un compte Netflix. Une équipe de professionnels, hein, comme toujours. Bref, voilà. Je vais parler encore plus vite pour commencer ce podcast numéro 6. On va aller tout de suite avec un dernier cage et on va commencer avec Simon Le Borgne. Tout de suite, et jingle! Ok. Bah justement, le chevalier blanc, on va commencer avec toi. Tu me devais me donner un résultat, s'il te plaît? Et c'est parti. Le cheval, le cheval. Ouais, mais fais ça rapidement. 7, c'est la dernière chose que tu as... senti. Une seconde. T'as 12? C'est quoi le principe? Mais non, mais 7, mec. Ah, tu vas voir. Une seconde. La dernière chose que t'as senti, c'est pas mal? 9. Non. T'as pas de qui sort. 9. 3, 4, 5, 6. Tu vas parler de la dernière chose que tu as entendu. Le dernier concert, le dernier album, le dernier podcast, ce que tu veux. Je suis obligé. Oui, c'est, le dernier, c'est la dernière chose que tu as écouté en fait. J'ai écouté du Peura tout à l'heure. Du Peura. Ça va, ça te change de fauve. Vas-y, tu peux nous en parler un petit peu. 1-0. Non, bah à part j'ai écouté du Peura, du rap ma gueule. Quel groupe de Peura? Non, mais c'était encore au 2N comme le jeu. Ah, d'accord. C'est Maître Games. Voilà. Black M. Sinon, j'ai pas vu grand chose ni entendu grand chose dernièrement, parce qu'en fait, je fais tout le temps la fête, alors j'ai le temps de rien faire. Oh là là, le modeste. Il y a Mac Miller qui sort un nouvel EP. Tout à fait. Et du coup, il sera sans doute gratos comme ça. Non, sur iTunes, il est payant parce que c'est iTunes. Oui, mais lui, il verra. C'est iTunes. Voilà. C'est dans le nom. Tu fais du tuning? Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Et le mec au fond perd son point de vue. C'est forcément entendu ou... Bah là t'es tombé sur entendu, ouais. Ah merde, fais chier. Pourquoi tu voulais parler de quoi? Bah je sais pas, j'étais en train de lire un bouquin, voilà. Ouais bah c'est bon. Non, c'est ça, c'est les règles du dernier clutch, c'est impartial. Ah merde, fais chier. Flo, tu vas nous dire la dernière chose que tu as entendu aussi. Non? Tu veux faire encore un G? 4? La dernière chose que tu as lu. Et bah je suis en train de lire... Beaucoup de chier. Toute la saga des dunes, il y a quand même plus de 8 bouquins. Et Tout le monde est en train de lire ça, j'ai l'impression. Bah, c'est-à-dire que c'est cool. Nayem ici présent qui m'est prête et c'est absolument c'est génial. C'est, si vous aimez genre cool, les dunes. Intrigues, c'est tendues, cool. Si vous aimez les épices. Exactement. Si sentir les épices, vous. Ah ouais, les gros verres de sable. Ouais, les gros verres de sable. Les gens aux yeux bleus. Et le leurre de masse. Comment si tout ça exerce un grand avec les grosses poutres. Je vous conseille cette série de livres absolument époustouflants. De Frank Herbert. Exactement. Et de son fils.
Son fils a ordonné certaines de ses notes. Voilà. Il n'y avait pas des jeux vidéo d'une à l'époque? Si, il y en avait un, je crois que c'était sur Atari ST. C'est l'un des jeux vidéo de stratégie. Il y avait le film aussi. Et moi sur PS1, j'avais Dune 2, c'est un jeu stratégie. C'est Dune 2 qui est bien parce que Dune 1. Non, c'est Dune 2, c'est de la merde. Il y en a un, c'est un STR et un autre, c'est un truc un peu plus. Ouais, bah je crois que c'est. Ouais, c'est un truc où tu dois naviguer, tu trouves des aliens sur ta. Un peu à la Spore. Il y a des verres et tout. Ouais, il y en a un qui a plus d'aspect gestion et l'autre qui est plus un STR en fait. Ouais, c'est le STR est franchement, c'est une joke. Ouais, Dune 2 c'était le pas truc de gestion et ouf. En plus, c'est un des premiers, je crois, il me semble, Dune justement. Des jeux de gestion vraiment poussés comme ça, ouais. Non, mais au niveau STR, justement, c'est pas un mais des premiers. Si ça vous intéresse, il y a Mister MV qui a fait un let's play là-dessus sur Gaming Live TV. C'était super. Non, pas Gaming Live TV quand même. Si, mais Mister MV. Mais il y a Bob Lennon. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas une référence. Ah, ça fait pas de loin. Hein. On enchaîne. Ouais, on enchaîne. Red, tu vas nous parler de la dernière chose que tu as. Lu également. Est-ce que tu as lu déjà? Est-ce que tu sais lire? Est-ce que tu sais lire? Ma. J'y comprends pas. Je comprends pas la France. Alors, un bouquin chiant, théorie de l'image. Voilà. Ah, nice. Pas connaisseur ici. Si vous voulez analyser les images. Lesquelles? C'est une bible. Toutes. Que ce soit porno, David Cameron avec un cochon ou un ours, hein, ça permet d'identifier. Ou Sarah Palin, elle a fait avec un ours. Ça permet d'identifier. Ah bah en même temps, c'est un qui est connaisseur. Ah, la zoophilie, c'est une grande passion. Ah bah, la zoophilie chez les personnes du gouvernement de tout pays. N'est-ce pas? La zoophilie, la tenace. Mais seulement avec des animaux bronzés, n'est-ce pas? Plus sérieusement, la dernière chose que j'ai lue, je crois que c'est Batman Terrain. Ah ouais? Ouais. Il est bien? Il est intéressant parce que c'est une espèce de reboot avec Alfred, commando marine, spécial militaire. Reconverti en esclave. Extrême droite. Ouais, c'est un peu chelou quand même parce que. C'est, en fait, c'est Alfred, c'est un peu. Le warrior, tu vois, c'est en fait, warrior qui revient dans le pays et qui essaye de guider Bruce. Est-ce que ça fait comme dans la série Gotham, où tu vois Bruce Wayne qui est tout petit, qui vient de parler à ses parents, il pleure, il fait ouais. Puis t'as Alfred qui fait, t'inquiète, ça va bien se passer. Et puis il fait, Alfred, pouvez-vous m'apprendre à me battre? Puis il fait, oui, bien sûr, je connais le karaté. C'est improbable. C'est observant, c'est normal. C'est complètement improbable. Déjà, c'est un. Tu vois un petit peu le gosse normal, hein. Les parents se font tuer tranquille. Mais c'est surtout. Ouais, exactement. Mais. Ils sont fait gank. Quoi? Personne ne joue. Ils sont peut-être la dégâts, ils sont pris à multi. Ouais, et donc voilà, c'est Bruce, il sort du cinéma parce qu'il est très pressé. Et c'est pas un opéra. Voilà, c'est ça. Il indique un raccourci à ses parents qui lui disent non, ils sont butés. Ouais. Enfin, le coup classique. Le guet-apens. Merde! Sachant que dans Terrain, il est fait partie dans. Ça fait 75 ans qu'il meurt comme ça, merde, il aurait pu quand même le savoir. On l'a dans tous les films, putain! Sachant que dans cette version. Parce que des fois, Cobblepot. Parce que dans la version de Schumacher. De Schumacher? Schumacher. Ouais. C'est double face qui fait. De Chewbacca? Alors, ce film-là n'existe pas. Ouais. Moi, je l'ai jamais vu. Non. Si, Forever existe, mais pas Batman et Robin. Les deux existent. Il est super drôle, Batman et Robin. Il suffit d'aimer les collants. J'ai ma Batcarte. Les collants moulants, les vides et tout ça. La Batcarte. La Batcarte de Granny. Plus sérieusement, ça commence avec une grosse. Comment dire, un gros mouvement socio-culturel parce qu'il laisse un pingouin accéder à la mairie et c'est déjà honorable. Il n'y a pas ça dans le film de Burton. Ouais, c'est celui de Burton où il y a le pingouin qui se présente. C'est pas ouais, possible. C'est dans Burton. Ouais. Et donc c'est un film qui est considéré comme bien, alors que moi je trouve nul celui-là. Le défi. Le débat c'est cher. J'ai précisé qu'il a aimé Man of Steel. Et dans ce comics, ouais, Batman c'est se prend. Je tiens à préciser que le Chevalier Blanc a aimé Man of Steel. Hein. C'est peut-être le seul dans cette période. J'ai changé de nom depuis l'autre émission. moi, j'ai maintenant, tous ceux qui ont écouté l'émission numéro 1 savent qui tu es. Moi, Man of Steel, ce qui m'a marqué, c'est quand même les poils sur le torse qui restent insensibles au feu. Non, mais Henri Cavill, il a une pilosité à toute épreuve. Voilà, c'est Superman qui a une pilosité à toute épreuve. Vous pouvez pas comprendre. Enfin, bon. Non, c'est vraiment Henri Cavill. On va pas en redébattre. De toute façon, c'est le meilleur film au monde. Ouais, mais bien sûr. Un dernier mot. Est-ce que tu recommandes cette lecture? Je la recommande. Voilà. Ah, donc quand même, c'est un bon comics. Parce que Batman se prend des roustes et ça fait plaisir. Mais Batman petit.
Batman grand aussi. Ah ok. Son premier, son premier combat, tranquille, il se prend une rouste et on voit qui c'est. Un Cobblepot découvre qui c'est. Donc, ouais. Ok, c'est classe. C'est du coup, après, The man who broke the bat. Nayem, tu proposes quoi, Soul, comme résultat? 6. 6, bah tu vas nous parler de la dernière chose que tu as lue, encore une fois. Le Silmarillion, voilà. Je suis sur le Silmarillion. Ça se trouve que ça n'a pas beaucoup avancé depuis le podcast 5. C'est tu lis en VO? J'étais sur le Seigneur des Anneaux, tout simplement. Non, en anglais ou pas en anglais? C'était ça la question. Je n'ai pas envie de répondre. Non, je l'ai lu en français parce que déjà c'est suffisamment compliqué. Silmarillion, c'est quand même la mythologie du Seigneur des Anneaux, donc j'aurais rien compris en anglais. Est-ce qu'il y a du porno? Non. Non, enfin, non. On vérifie dans ma tête. Non. Red, on me dit non dans l'oreillette. Dans le délire, c'est une tragédie règle, donc. Ça se finit toujours dans les règles avec Red. Oh non, c'est vraiment. Dans les règles de l'art. C'est vraiment excellent, mais bon, comme tout truc de mythologie, même si là c'est totalement fictif, c'est assez chaud de tout se rappeler. Il y a plein de personnages et tout, mais c'est vraiment excellent. Comme c'est la base du monde du Seigneur des Anneaux, bah forcément. Alors question, est-ce qu'il faut avoir lu le Seigneur des Anneaux avant ou le Silmarillion avant le Seigneur des Anneaux? Vaut mieux avoir lu. Ouais. Vaut mieux avoir lu le Seigneur des Anneaux d'abord quand même. Parce qu'il est quand même bien compliqué, le Silmarillion. Ouais. Ben, si tu sais pas du tout de quoi ça parle. Après, enfin, je pense que lire d'abord le Seigneur des Anneaux, puis lire le Silmarillion et après soit le relire plus tard, revoir les films, ça va totalement changer le point de vue. Dans le bouquin de Seigneur des Anneaux, Saruman il est pas blanc, il est multicolore. Parce qu'il se croit supérieur. Et en fait après Gandalf lui dit bah non t'as pas de couleur. Vas-y. Le racisme là. Oh ta robe elle a rétréci au lavage, elle a perdu de sa couleur. Oh. En même temps Gandalf lui aussi quoi, s'il devient blanc quoi. Donc voilà, oui, le Silmarillion, si vous aimez l'univers, c'est vraiment bien. Je pense qu'on parle à une génération qui ont lu ou vu au moins les Seigneurs des Anneaux. Oui, peut-être. Et le Hobbit surtout. Pour les quelques rares. Pour les quelques rares qui n'auraient pas lu le Silmarillion ou qui n'en auraient pas entendu parler, c'est bien. Tu vois, c'est pas? Ouais, c'est très très bien. Non, mais je l'ai lu aussi, c'est vrai que c'est bien. On est unanime là-dessus. Soul, à toi. Avec ce joli son de bière. 4! Quatre. Je tourne entre les 4 et les 6. Mais putain, mais c'est toujours la même chose, tu as la dernière chose que tu as lu. Bah, ça va être comics. Yeah! Darvec, mon gars, que des comics! Elle a dit c'est bien. Mieux lancer les dés. Anthony Connor. Non, c'est ça. Ce que j'ai lu dernièrement, c'était sur un Iron Man. Après Civil War, c'était. Je sais plus comment il s'appelle, Invincible Iron Man. Tout à fait. Qui est plutôt pas mal. Où il apprend à maîtriser la magie dans sa technologie. Ouais. Ouais. Maintenant, en fait, il a plus d'armure, son armure sort de sa peau. Et ça devient Iron Man. Comme des nanobots. Ils font ça en ce moment aussi pour le supérieur Iron Man, mais bon. C'est un peu nul, donc faut oublier. C'est intéressant. Avec les nanobots, hein. Dans le dernier Terminator aussi, on a à moitié. Ouais. C'est le genre en ce moment, tu vois. C'est la mode chez les robots en ce moment. Genre les cyborgs tout simple, non c'est bon, on a marre, on a marre. C'est bon, il y a eu. C'est trop traditionnel. Il y a eu Akira, il y a eu. Pas Akira, mais. Les Ghost in the Shell, les Gundam. Mais bon, les Gundam c'est autre chose, c'est les mechas. Oui. C'est pas des cyborgs. Non. Bref. Ouais, il y a eu Matrix et tout ça, donc c'est bon. Et du coup, l'intérêt de. Il y a eu Elysium. Invincible Iron Man. Voilà. Bah, il est pas énorme, c'est juste une aventure d'Iron Man dans sa vie quoi. Il va faire ses courses. C'est un peu ça. Un connard ou pas? Non, il a évolué là. C'est agréable à lire. Ouais, c'est très agréable à lire. C'est agréable à lire, mais il n'y a pas beaucoup d'impact. Il n'y a pas beaucoup d'impact parce que ça, il est tout seul, il n'y a pas vraiment personne qui. Si, il y a War Machine, tout le monde se classe. Ok, c'est agréable à lire, mais t'es d'accord avec moi que Iron Man c'est un peu toujours la même chose. Avec les mecs, c'est toujours armure contre armure. Oui. Bah là où dans Invincible Iron Man, c'est Armor Industries qui veut prendre la place de Stark Industries dans les armements. Donc ils vont créer le Détroit Style, qui est d'une armure géante de combat. Mais ouais, mais pourquoi les héros... Enfin, pourquoi les super-vilains, ils sont toujours obligés d'avoir les mêmes pouvoirs que les héros? Si tu regardes... Bah, parce que c'est normal, c'est de l'ego. Si t'as le même pouvoir et que t'es plus fort, t'es forcément mieux. Mais le truc, t'as c'est l'ego que... T'as l'ego du méchant qui est dedans. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord pour peut-être un méchant ou deux. C'est comme Flash qui se bat contre un méga Flash. Là, je veux bien. Mais imagine Captain Cold qui pourrait aller aussi vite parce qu'il fait un mur de glace et enfin il fait un pont de glace et puis il peut glisser et il va super vite, il va aussi vite que Flash. Ce serait ridicule. Oui, surtout que Flash a une vitesse exponentielle. Voilà. Donc c'est là au moins les ennemis de Flash, même si c'est ridicule parce que Flash a une échelle de force complètement over the fuck. Eh ben, on a des personnages qui tiennent un peu plus la route.
Oui, du côté Marvel, c'est mieux. Ouais, voilà. Moi, je suis plus du côté Power Rangers, niveau pouvoir, oui, pareil. Megazorg. Pourquoi ils se transforment pas en Megazorg dès le départ, quoi? Sérieux, les gars? Mais parce que c'est pareil, c'est exponentiel. Parce que sinon, il n'y aurait pas de scénario. Déjà qu'il n'y en a pas, il y en aurait encore moins. Si, il y en a. Il serait dans le négatif, ce scénario. Non, le méchant, il arrive sur la planète Terre, il veut tuer l'humanité, il n'y arrive pas. Voilà. Donc, il s'en mange, c'est pareil. Si tu fais, Simon. Il y a une espèce de convention tacite entre méchant et gentil dans les Power Rangers, et je trouve que c'est très poli, très cordial. On se transforme ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On fait une réunion pour savoir comment on fait. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que des deux côtés ils sont syndiqués, du coup. On fait grève aujourd'hui. Le syndicat du mal, tu connais. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un film Power Rangers qui est en production et qui sortira pour 2016. Je suis pas sûr. Il a été annoncé pour 2016. Il n'y a pas encore d'image. Ouais, mais il a été annoncé pour 2016. Et le tournage a eu lieu. Je pense que ça va être le tournage final. Moi j'ai trop hâte de voir si le tournage a eu lieu. Excuse-moi, Greg. Oui, je t'en prie. Non, vas-y. Ce que je veux dire, c'est si le tournage a eu lieu durant l'été, on pourrait l'avoir en 2016. Bah, de toute façon, il sera peut-être fin 2016. On a eu le tournage, ce sera pas ce qui sera plus long, ce sera tout ce qui est FX et post-prod. Ouais, parce que quand ils sautent et qu'il y a des explosions, c'est quand même dur à faire. Ça serait bien, tu vois, limite, ils gardent un peu l'aspect vintage, tu vois. Ouais, mais ça serait génial. Parce qu'ils vont nous faire un truc avec des gros FX de gros ports. Ça se trouve, ça va être comme les 4 fantastiques, ça va être dark et torturé, de la merde. Non, ça se trouve, ça va être Transformers, super beau, mais super inintéressant. Après, il y a des robots dans Transformers, tu peux pas être objectif. Si, je peux être objectif parce que Transformers c'est de la merde. Voilà, pour les yeux, c'est du porn. Pour des gens comme moi. Ah, mais c'est vrai. Même en tant qu'infographie 3D. Tu la rends sur des robots. Oui. La technique, des fois, il y a des grosses âneries. Genre, par exemple, dans le 4, il y a Lockdown. Il y a une espèce de boule holographique dans la main. Et en fait, ce regard, il va par là-bas. Il y a des bordes de rire. C'est du pain pour les yeux, mais oui. Je me prends sur des robots. Des robots. Bumblebee. Ah, des trop bien fait, Bumblebee. Allez, viens. Ah, Mégatron. Ah, prends-moi. Ah oui, des explosions. Un truc qui est totalement de l'humanité, que tout soit si sûr à couper le montage. Non, pas du tout. Un truc qui est totalement inobjectif. Optimus Prime. Genre, c'est dans le dernier. Ceci était un communiqué. T'as Optimus Prime avec une épée et un bouclier sur un T-Rex. Bah oui, mais sur un T-Rex. C'est du porn pour les yeux. Oui, putain, oui. C'est du porn pour les yeux. Le samouraï, là, qu'est-ce qu'il a à foutre là? Juste pas. Ah, mais oui. Mais le T-Rex, il est en robot. Oui, il est en robot. Bien sûr, c'est un Dinobot. C'est un Dinobot. Et t'as des dragons. C'est Grimrock. Ouais, Grimrock. Il y a un moment, Maccabée, il a fait. Ouais, les Dinobots, le mec. Ouais, ça c'est bon. Oui, on avait oublié qu'on avait ça dans le placard. Et après, on fera un tatou robot. Non, là ça va trop loin. Allez, on continue avec Monsieur Soulou. Monsieur Soulou, tu viens de parler des dernières choses que tu as. Attention, je shuffle. 9. La dernière chose que tu as vécu. La dernière chose que j'ai vécu. T'as pas d'appart, non? C'est de. de dormir chez n'importe qui tous les soirs parce que j'ai pas d'appart. En l'occurrence, chez moi. Non, parle-nous de ton prochain teaser. Mon prochain teaser. Ah ouais, je vais faire un teaser vidéo pour l'organisation Texture qui fait de la techno à Rennes, voilà. Je pense que quand ce podcast sera sorti, ça sera passé. Non, c'est pas sûr, pas... ce podcast sortira dans 24 octobre, 2-3 mois. Et en gros, ça sera un teaser avec du glitch et plein de trucs. Et du robot porn. Ok. Et ok, donc ça. Du glitch. C'est tout. Ok, ça marche. Greg, tu vas nous parler de la dernière chose que tu as. Que tu as lu. C'est franchement. C'est pas de ma faute, c'est aléatoire. Alors, je dirais qu'il y a deux choses en ce moment. Il y aurait un livre. Non, une chose. Une chose. Ouais, mais du coup, tu vas dire parce que j'en lis deux en même temps, si tu veux. Ouais, mais non. Alors, tu dis les deux et on va. Tu dis les deux et on va dire lequel tu parles. Alors, je lis un livre sur la photographie concernant la lumière, les techniques d'utilisation de lumière dans la photographie et dans tout ce qui est culture de l'image. Et un manga. Et quoi, manga? Alors, c'est ça. Boku no Pico. Ok. Mais je suis en train de lire Naruto, c'est trop bien. Naruto dans ta cul. On est 10, ils sont 2 à avoir compris la première blague.
Je me sens exclu, j'ai l'impression d'être un molard. Non, mais elle veut mieux pas savoir. Ils sont trois en fait. Il m'a expliqué, je voulais pas. En vrai, je crois que tu m'avais parlé de Bible Black, c'est ça hein? Pas du tout. C'est une anthologie, ça par contre. C'est un manga qui s'appelle Ajin et qui parle. Ah, mal, Ajin qui parle de. Comment dire d'une espèce de nouvelle. Arrête avec les robots. D'une espèce de méta humain qui serait immortel et qui serait qui aurait entre guillemets une personnalité immortelle en fait. Donc en gros il faudrait que un peu comme l'armure d'Iron Man. Mais on y revient. Non, pas du tout. Non mais franchement je pense qu'on peut parler un peu de entre guillemets si je puis m'exprimer ainsi c'est mythologie un peu orientale quand on parle des djinns. Et du coup Ajin du coup et du coup bah ce serait vraiment une entité qui prendrait plus ou moins possession du corps de la personne. Enfin pas vraiment possession parce qu'elle a toujours sa conscience. Okay. Mais en gros, ce serait, il deviendra un peu schizophrène, sachant qu'il verrait une espèce d'ombre noire toujours le suivre, et du coup, il serait immortel, il pourrait pas mourir. Okay. Et du coup, il y a une espèce d'évolution dans l'histoire qui concerne la différence entre maintenant l'être humain et les humains qui sont appelés des Ajin, avec justement le fait d'être immortel. Donc, il y a beaucoup de ségrégation au final. Donc, ça s'est traité différemment des autres œuvres japonaises, donc c'est plutôt intéressant. Ça a l'air putain de stylé. C'est super cool. Ouais, tu t'appelles comme ça Ajin. Ajin. Ouais. Le dessin, okay. Tu vraiment. J'hésite à les acheter. C'est vraiment bien. Non, le dessin est. Le dessin et tu s'arrases, frère. Ouais, le dessin, je prends le mais si, franchement, c'est un bon manga. Comme ça fait très longtemps que j'ai pas lu un bon manga, j'ai certainement. Si là, il y a un manga que je devrais conseiller en ce moment, ce serait celui-là. C'est une série finie ou. Non, il y a 32 chapitres de sortie actuellement, donc à peu près, je dirais 5 tomes. D'accord. Non. Ah non, je crois qu'il y a 3 tomes. En fait, c'est des chapitres. Il y a 8 chapitres par tome à peu près. Non, c'est des chapitres de 40 pages. Ok. Ah oui, d'accord. Oui, comme Vinland Saga, quoi. Ça va prendre vachement son temps. Voilà, donc c'est assez agréable à lire. Bon, là j'en profite du coup pour balancer un autre truc, il y a One Punch Man qu'il faut lire aussi. Ah, il faut regarder aussi. Ouais, il faut regarder. Ah, ouais, à s'y paraît, ça a l'air super. Ça défonce, c'est trop bien. One Punch Man, c'est un des mangas, des meilleurs mangas de la décennie. Peut-être qu'on en a parlé, One Punch Man. Qui c'est qui m'en a parlé? Rufio. Ça Rufio. Non, je n'appuie pas Rufio. Je suis sûr que c'est un ami véritable. Ouais, je pense que c'est Stu qui m'en a parlé. Est-ce que t'as lu. Il y a deux mangas qui sont en train de sortir en ce moment. T'as Democracia. Ça me dit rien. Qui est écrit par. Comment il s'appelle? C'est. Ottawa. Non, j'ai Ichiroda, c'est le mec de One Piece. Ouais, Ichiroda, c'est le. Yamamoto. C'est. C'est le mec qui a écrit Ikigami Préalimor. D'accord. Et Democracia, c'est en fait deux japonais qui créent un. je fais vite. C'est deux japonais qui créent un androïde qui est vraiment en forme humaine. Et qui est contrôlé par. Mais ta gueule! Mais en plus, ce que j'aime bien, c'est que. Mec, Simon, quand tu vas parler, je vais. Simon, tout à l'heure. Je vais t'insulter de tous les noms, je vais te pisser dessus, je vais te chier dans la bouche. Ça va. Simon, tout à l'heure, avant de lancer le podcast, il était là. Chut! Et je te mettrai une grosse sifflette. Arrêtez, putain, et arrêtez, faites pas trop de bruit à côté. Et c'est le premier à raconter de la merde, c'est juste derrière. Il est même pire que moi. C'est moi qui fais chier le monde. Je fais ça discrètement. Non, t'es un gros con. T'es un gros connard. Voilà. Merci Greg. T'es chelou ça. Grégoire. Voilà. Donc on vous recommande Ajin, si c'est bien. Voilà. Lisez-le là. Democracia. Democracia, c'est deux japonais qui créent une intelligence artificielle et un androïde à forme humaine, une femme. Et en fait, elle est contrôlée par un plugin internet, si tu veux, où c'est 1000 personnes, je crois, qui sont connectées dessus. D'accord. Et qui votent les actions. Donc en fait, c'est un panel d'une démocratie qui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et en fait. Ça me fait penser à Pokémon Twitch. ouais, exactement. Mais Pokémon Twitch, c'est tout le monde qui dit n'importe quoi, tandis que là, dans non, mais il y avait une démocratie. Oui, il y avait démocratie et anarchie. Ouais. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'ils proposent trois actions. Enfin, ils proposent une action chacun. Celles qui sont à peu près similaires et qui sont données le plus souvent, ça, elles font partie des deux premières actions. Et la troisième, c'est toujours une action qui a été donnée aléatoirement par une personne. Ce qui fait que, par exemple, ils vont dire, bah là, ce que tu dois faire, c'est marcher. Et puis il y en a le thème, proposition 1, c'est marcher. Proposition 2, c'est courir. Proposition 3, c'est se baisser, par exemple. Parce qu'il y en a un mec qui a voulu mettre se baisser ou aller aux toilettes. C'est des trucs complètement farfelus. Ou parfois, ils mettent, c'est quoi ce délire? Et les gens votent pour donner l'action. Et en fait, bon, après, c'est un peu du délire parce qu'ils votent super vite, elle fait des actions normales, elle peut tenir une conversation avec un humain, enfin, c'est un peu du gros. Ça part pas trop en délire sexuel, du coup. Ben si, ça part assez vite. Ouais, ouais. Ça, et justement, c'est assez intéressant de voir comment. Ben, en fait, non, la démocratie ne veut pas. Ouais. Mais l'autre, par exemple, l'un des créateurs qui sait que c'est un robot, lui, il a plutôt envie.
Parce qu'en plus, ils ont mis dans une peau de femme. Ouais, vas-y, fais-le. Bon, après, c'est le futur, tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. Sociologiquement, ça doit être intéressant. Et c'est vachement intéressant. Mais psychologiquement, ça, sur les groupes. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Et l'auteur là, qui a fait Ikigami Préavis de mort, je sais plus son nom, mais je le mettrai dans la description du podcast. Je crois que c'est Massé. Je crois que son nom, c'est Massé. Mais prénom japonais, Massé. Le problème qu'il avait dans Ikigami Préavis de mort est le même problème qu'il y a Démocratia. Pour l'instant, en France, on n'a que deux tomes. C'est qu'il ne sait pas se débarrasser de ses personnages sans les tuer. Ah oui. C'est ça le problème. C'est qu'il n'arrive pas à les lâcher, en fait. Voilà, ou alors c'est qu'il va tellement loin avec le mec, normalement, il. Par exemple, il se dit, je peux plus servir ce personnage, du coup, il le fait crever pour se forcer à plus l'utiliser. C'est ça. Hein, par exemple, là, Game of Thrones. Tant qu'il ne les ressuscite pas, après, c'est bon. Oui, hein. Ça, c'est bon. Mais par exemple. Il y en a qui les ressuscitent. Dans Ikigami, c'était le principe. Parce que c'était dans le futur où chaque japonais soit une prise de sang avec plein de vaccins, mais il y a une prise de sang sur 10 000 qui contient un poison qui tue à l'âge de 20-21 ans. Ah merde. Et comme ça, c'est pour réguler la population et continuer à. Enfin, il y a plein d'idées comme ça. Il y a plein d'idées comme ça qui sont super. Mais le problème, c'est que chaque. Les grands que les meilleurs. C'est à peu près 3-4 chapitres, chaque histoire. Où on suit quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait dans ces derniers moments? Qu'est-ce qu'il fait quand il reçoit le préavis de mort? Au final, il meurt, quoi. Il est obligé de mourir. Et c'est ça qui le problème. Bah, encore dans Préavis de mort, c'était le parti pris. Là, dans Démocratia, c'est le problème, quoi. C'est qu'il ne sait pas écrire autrement que tuer ses personnages. Dans Préavis de mort, encore, ça avait tout son sens parce que la mort était omniprésente. Ouais. Il nous intimidait vis-à-vis de la mort. Et c'est aussi le but qu'avait le gouvernement d'intimider et d'établir son autorité sur tout le monde via ce vaccin-là. Ouais, et c'était trop bien parce que tu voyais ce que faisaient les gens. Il y en a qui partaient faire un voyage en moto, il y en a qui allaient revoir leur famille, il y en a qui allaient tabasser des mecs. Tu vois, il y avait plein d'histoires différentes. Il y en a un, il était peintre en bâtiment et puis il a fait alors qu'il était graffeur et ça le faisait chier de peindre en bâtiment. Donc la dernière chose qu'il a vu dans sa vie, c'est un putain de graphe immense qui était trop beau. Et ça, c'est deux chapitres, tu vois. Ouais. Ça, c'est super agréable à lire, mais le problème, c'est que derrière, normalement, il devrait y avoir un développement qui n'aboutit pas. Mais si tu veux, le personnage qu'on suit dans l'histoire, ouais. C'est celui qui a le rôle le plus joyeux du monde, c'est d'annoncer ça 24 heures avant, je crois. Ouais. Du coup, tu sais d'avance où ça va finir, enfin quand ça va finir. Tu sais pas comment en fonction de la réaction du personnage. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce développement-là qui est intéressant. Nous, qu'est-ce qu'on ferait face à la mort? Défoncer sa gueule. La plupart restent bloqués dans leur chambre ou dans leur maison pendant au moins 4 ou 5 heures, sans comprendre ce qui se passe. Il y en a d'autres qui regardent du porn de robot, mais... Voilà. On ne voit pas, mais je lève la main. Enfin, je connais pas le bouquin, mais un autre aspect qui moi, me saute aux yeux... Moi, j'ai vu du porn de voiture. Un peu névrose de japonais, quoi, là-dessus. Le fait de manque tout de place, fait. Tu vois, c'est un peu le truc... Et la mort, ils sont sur une île aussi, donc tu vois, forcément... Oui, ils ont vachement ce gouvernement qui est quelque chose quand même d'hyper sacré dans la culture. Carrément, et puis aussi le manque de place sur leur... Ouais, ils ont eu un empereur de droit divin jusqu'en 45. Puis il y a un truc qu'il faut comprendre aussi là-bas, c'est que c'est vraiment le pays est vraiment en décroissance, il n'y a que des vieux, et très peu de couples ont des enfants, parce que ça les fait chier. En même temps, c'est normal, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont leur travail, il n'y a pas que ça, c'était avant, la culture familiale là-bas était très ancrée, et dans les générations précédentes, et maintenant, les gens, ils veulent être libres par rapport aux responsabilités de leurs parents. Du coup, bah, allez-vous tous vous faire enculer, moi je veux être tranquille. Mais le souci, c'est que t'as un trop gros contrat. Et justement, si tu te fais enculer, tu fais pas de gosse. Ils ont... Merci Florent. En rebondissant sur ce que tu dis, non pas avec ça, mais avec Greg, il y a un nouveau manga qui est sorti par l'auteur de Gantz. Pour ceux qui n'ont pas du tout un Ichi, c'est Last Hero Inubasha. Je ne sais pas c'est quoi le dernier mot. C'est les noms japonais, je n'y arrive pas. Ah, j'ai le. Last Hero. J'ai le chapitre de. Ah oui, c'est Last Hero. Il y a un autre truc en dessous. Non, c'est juste Last Hero. C'est Last Hero. Et en fait, c'est l'histoire d'un vieux. En fait, il est plus vieux que ce qu'il devrait être. À cause justement du rythme de travail, de tout ce qui fait la culture japonaise. Et ses enfants n'en ont rien à foutre de lui, il a rien dans la vie, son seul pote c'est un chien qu'il récupère dans la rue, tout ça. Et il se rend compte qu'il sort. Condo, quoi.
Non, il a, une il a une super maison, il a une super famille et tout. Il a pris sa vie pour l'acheter. La voilà, c'est ça. Il a, j'ai vu le début de ce truc. Ouais, ouais. Moi, j'ai le chapitre découverte, mais alors ça m'a pas du tout plu. Ouais, alors, il tremble et tout. Les ouais, c'est ça. Ouais, alors le dessin est un peu déstabilisant, mais il est très bien. C'est sympa, c'est vraiment sympa. Il est très bien. Mais en fait. T'es là, tu sais pas trop ce que tu dis, et en même temps, t'es là. Je vais quand même continuer. Et ouais, c'est ça, c'est super prenant. Et en fait, à la fin, il est. Enfin, à la fin, dans le premier chapitre, normalement, il va sur une colline en sortant son chien, et il y a une sorte de lumière extraterrestre, on sait pas trop quoi. Et il est mixé avec... c'est un peu un bordel, et en fait, il devient un robot. Il devient un robot, et un robot... Et on revient au robot. Mais oui, mais c'est justement pour ça que je rebondis là-dessus. Je serai là, il y aura toujours des robots, mec. Non, il devient un robot, mais sans le savoir, parce que d'accord. Par exemple, à un moment, il est devant son miroir, il s'est blessé alors qu'il a pas mal, et puis d'un coup, son bras, il se décompose en plein d'armes différentes, comme si c'était vraiment un robot, et à partir de ce moment-là... Mais on sait pas. Et à partir de ce moment-là, il va vouloir... Mais justement, l'intérêt, c'est de lire le manga pour savoir ce qui se passe. C'est pas Inspecteur Gadget. Non, c'est pas Inspecteur Gadget. Bah, l'intérêt, c'est de découvrir ce qui va arriver. Moi, c'est le coup de blanc. Son ignorance de son état. Ouais, je sais pas, ça veut... Enfin, faut voir. Non, mais c'est vrai qu'il y a... Tu vois, il y a des trucs qui sont... A priori, ça m'intéresse. Ouais, mais j'ai entendu que du bien dessus, mais moi, je suis pas fan du dessin. Je trouve un petit peu léger. J'ai pas vu le dessin, mais le concept me. Mais en fait, tu préfères Démocratie. Il y a des mangas. Ouais, ça m'intéresse. Je pourrais pas tenir les mangas. Il y a des mangas, tu vois, tu lis speed, tu fais, mais ça va être trop de la merde. En fait, ça défonce. Genre, One Punch Man, c'est un mec qui one-shot des mobs, qui one-shot des monstres, quoi. Avec juste un coup de poing. Et au final, tu fais, ouais, bon, machin, tu lis le premier chapitre, à la fin du premier chapitre, t'es, ah, encore, putain, j'en veux. Mais c'est souvent comme ça. C'est comme ça tout le temps. Et au final, même quand tu lis un manga qui a pas l'air d'avoir de gueule, c'est juste de lire un chapitre. En général, tu fais, oh putain, mais au final, c'est bien, je vais continuer à lire. Et au final, l'histoire se développe, ça devient intéressant. Comme quand tu commences une nouvelle série télé que tu connais pas. Tu vois. Oui, ça aussi, bien sûr, mais sur plein de médias. Hein, Franchement, je me force à regarder parce que je mate un épisode. On va enchaîner. Valéria, tu vas nous parler de la dernière chose que tu as entendue. Le dernier CD que t'as écouté. La musique. La musique. La musique. Bah, je sais pas, j'entends toujours la musique que vous mettez dans l'appartement. Donc il y a quoi? Il y avait du Steven Wilson. Il y avait du Kim Bay. Moi j'ai entendu du Maître Gims tout à l'heure. Hein. Enfin, quand je suis arrivé, c'est du Black M. Non, on dit. La seule chose que j'entends tous les temps dans les matins, c'est Queen. C'est Queen. Ah bah oui, bah c'est bien. C'est très bien. Je suis Harlem Jack. C'est mon amour préféré. Eh bah voilà. Un très bon goût. Ouais, c'est vrai. C'est très très bon. Queen, c'est vraiment bien. C'est normal, la cafetière est en train de filer. La moustache de Freddie Mercury. C'est pas normal qu'il... Mais non, c'est pour ça qu'il est pas normal aussi qu'il y ait du scotch sur la cafetière. Oui. Ce n'est pas une cafetière. C'est un doseur. Oui, bah j'ai. Ouais, bah y a pas d'autre cliché, c'est si bon. C'est un verre mesureur. Un verre mesureur. À ce point-là, c'est plus un verre. Un verre mesureur. Bon, enfin, bref. Suivant. Ouais, les Simon, qu'on finisse. Simon Leborn, pour toi, ce sera le. Qu'on finisse le dernier cage. Attends, parce que là, c'était encore une merde. 9. 9, c'est la dernière chose que tu as vécu. Bah, à part qu'on appart sert de refuge à SDF. Allez, encore. Non, mais. Tu passes pas un SDF, je ne sais pas. Je vais faire de la radio. Non, bah non. Mais tu n'as aucun droit. Tu vois, tu as pas de la radio avec moi. Oui, avec le chevalier blanc, un autre comparse qui n'est pas ici. Qu'est-ce que tu vas faire à la radio? Montrer des images. Oh, il boude. Non, je vais manger une chip. T'as un Monster Munch. C'est à ce moment-là. J'attends mon chèque. Acheté à Carrefour Market. Je vais manger un. Carrefour Racket, s'il te plaît. Autre plateforme produit. Sur Radio Campus Rennes, je vais vous présenter une émission de radio avec notre ami le Chevalier Blanc. Et Yoann. Et Yoann, un comparse que il n'a jamais été. Il y a quelqu'un qui va dire une réflexion. Il y a quelque chose de raciste. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. C'est un Renoir? Oui. Non mais sérieux les gars. Ouais mais ils sont bons donc ça mais... va mélanger. Non, tu veux dire qu'il a le vol dans le sang? Non mais arrête putain. Tu veux dire qu'il court vite? Non il est sympathique et il danse bien. Et il aime le KFC. Mais continue ouais, continue, ça va couper. Vous n'êtes pas sur le canapé des racistes, vous n'avez pas le droit. Non il est sur la chauffeuse du racisme. C'est pire encore. Je ne suis pas raciste, la chauffeuse de la connerve. Je suis pas raciste, hein, j'ai des amis noirs. Et je mange des couscous tous les lundis. Moi, je les aime bien les racistes, mais que quand ils sont chez eux. Hein. Ouais, il y aura une grosse session. Ouais, grosse session de coupage. Moi, putain, j'ai encore en chien au montage. Bon, est-ce que c'est bon? On a fini pour le dernier cœur. Non, j'ai toujours pas fait la. À 22h, tous les mardis, tu fais une émission qui s'appelle. Non, déjà, c'est 11h. À 23h, excuse-moi. De 11h à minuit sur Radio Campus Rennes, que vous pouvez écouter sur les internets, je fais une émission de radio qui s'appelle Prog in Progress.
où l'on parle de rock progressif, de metal progressif et de tout ce qui est musique progressive. Et on est, on est ambiance geek, on parle comme ça, on fait. Et maintenant, dans un instant, un petit morceau de Kim Crimson. A tout de suite. Est-ce que. Kinghead, c'est ma gueule. Et maintenant, du death metal prog. Meurs ! Ça t'en rend la chèvre, meurs ! Non, mais ça existe, hein. Ça existe, en plus. Est-ce que l'émission est en direct ? Ouais. Oui ! Ah, ça fait plaisir. Sera diffusé en podcast. Ah, magnifique. En balado-diffusion, bien sûr. Dans tous vos transistors. Bon. Ok, donc on va balancer un transistor jingle pour passer à l'Eratum. Ok, cette fois-ci, on va passer à l'Eratum numéro 6. Parce que c'est pour... Non, c'est 6 parce que c'est pour parler de l'épisode 5. C'est très logique. Oui. Alors, cette fois-ci, même si le chevalier blanc est là, ces ratons ne va pas durer 2 heures. C'est quoi déjà, il y en avait 5? Eh bien, dernière fois, c'était sur Men in Black. Voilà. Alors, on a eu plusieurs avis sur Men in Black, mais je vais tout de suite lire vos commentaires. Vous avez été nombreux, nombreux à ne rien poster. Ah bon? Ah ouais? Ouais. Oh, vas-y, lis-le. Et quelqu'un qu'on connaît pas. Lol, c'est la merde. C'est vrai. Alors, à l'heure où on fait ce podcast, donc le 24 septembre 2015, nous avons... Il attention, est précisément 22h27 et 45 secondes. Ça, c'était hyper fort. T'as flingué au Saturday City. C'est pas la peine, ça, je le couperai. Au Saturday City, mes oreilles aussi, on peut faire. Au Saturday City. Au Saturday City, le logiciel le dit. Au jour d'aujourd'hui, c'est horrible. Oh, je te déteste. Ouais, moi aussi. Aujourd'hui, le 24 septembre 2015, on peut fêter les 83 abonnés. 83, c'est ridicule, mais c'est bien. Non, mais c'est déjà bien, c'est mieux que. Angel Phoenix. Alors, vas-y, Simon, c'est parfait, je peux lire. Mais Paul Marty, je le connais, t'es con. Mais si, mais c'est Paul. C'est Paul Marty. Alors, bien sûr, Paul. Allez, franchement, vos vidéos sont cool, mais vous devriez faire genre la moitié de vos vidéos avec vos scénarios et vos blagues débiles. Genre comme la vidéo de X-Men avec le faux générique d'intro, c'était à mourir de rire. Merci, Paul. Merci. On t'adore pour ça. Deuxième commentaire, s'il vous plaît, de Benoît. Trop bien. Hein. Moi, j'ai bien aimé le film. Alors, troisième commentaire de grand maître nain. Ah, c'est génial, énorme, j'aime. C'est génial. Ça vaut pas Norman. Benoît, il est gentil. Benou, c'est mon amour. C'est mon ami, merci, Paul. Je te remercierai sur Facebook. Ah, mais oui, c'est Paul. Mais oui. Mais oui, c'est Paul. C'est Paul. Je vais faire caca chez Paul. Maintenant, la bite en feu. La bite en feu. La petite bite de feu. Hashtag la bite en feu sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Inondé de Twitter. Allez-y. Bon, merci, Paul. Bite à la pointe. Alors, vous qui êtes là et qui vous. Vous avez vu Darvec. Vous voulez savoir comment on fait une bite en feu? Non, mais arrête. On prend de l'absinthe. On dessine une jolie bite sur un joli carrelage. Et ensuite on met le feu. Et ça fait une jolie bite de feu. C'était les tutos. Moi j'ai toujours. Soulou. Les tutos de Soulou. Moi j'ai toujours. Ok, c'est pas ça. Bite en feu. Il évolue en. Non, je sais pas le dire. En cul en feu. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 5 du Men in Black? Moi j'ai eu plusieurs avis. C'est un peu drôle, c'est vrai. C'est drôle. C'est un peu. Les gens sont bien marrés dans ça. Mais les gens. Les gens se sont perdus dans les informations. On a donné trop d'infos dans Men in Black. Pas autant dans X-Men. Ouais, mais c'est vrai que dans X-Men. On était vraiment genre. Ah putain. Mais X-Men, c'est un scénario, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais le monde, c'est pour ça que le montage était intéressant, c'était travaillé. Mais là aussi, c'était travaillé. Parce qu'en fait, toutes les infos, elles avaient du sens dans le truc de X-Men. Parce que justement, ça faisait. Oui, tu fais les suivre. Truc vachement étoffé. Et quand tu regardes une émission, enfin une série où ça parle de science, franchement, moi j'écoute pas ce qu'ils disent parce que je m'en bats les couilles en fait. Moi je mets RMC Découverte, c'est juste pour le fond. Hein. T'avais les infos, mais qu'arrivait vraiment les émissions de science. Je parle pas des émissions de science, je parle genre les séries, les experts, tout ça. De toute façon, tu biques pas les émissions de science, tu vois. Mais je parle, j'ai dit une série. Non, mais des émissions de science. Les enquêtes policières. Les enquêtes de Murdoch. Fictive. Zoom sur ce pixel noir. Et là, je vois le truc en mode Blade Runner. C'était un esprit criminel. J'ai trop déliré la dernière fois que j'en ai regardé un épisode. Il voit une vidéo de caméra de surveillance dégueulasse. Et il passe un truc et d'un coup il fait.
Regardez, est-ce que tu peux zoomer sur sa main et là ça devient de 1080p parce qu'il a zoomé. Ouais, bah, alors que c'est l'inverse normalement. Non, c'est encore pire, tu sais. Regardez, il a un bracelet de donneur d'organes. Est-ce que tu as vu ce carré gris? Regarde, tu peux zoomer là? Mais je vois rien, c'est normal, pixel de merde. On a une résolution de merde. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce gag d'ailleurs? Vous avez déjà vu ça dans le moustache? Oui, dans le moustache. Dans le moustache, je sens que j'ai déjà vu ça quelque part. Film versus vie. Ouais. Mais je peux pas zoomer. Versus. Bref. C'est vrai que X-Men, on avait fait beaucoup d'infos. C'est Jules Fou. Mais là, ça passe. C'est Vincent Carré. Bien sûr, à 4, toi. La façon dont c'était foutu, ça passe. Mais ouais, de toute façon, on avait envie de faire un épisode un peu scénarisé du truc de police. On voulait aussi faire tourner notre ami Guedes. Oui. On se passe bonjour. D'ailleurs, il joue très bien. Et il est l'un des meilleurs acteurs qu'on a jamais eu. Il a fait un meilleur. Parce que c'est le seul acteur que vous avez eu. Et mine de rien, il avait fait du théâtre au lycée. Et ben on verra. Mais, ouais, voilà. On a Morgane aussi qui joue l'envoyé du mal, qui joue très bien également. Non, c'est Arthur. Ouais, Arthur. Ah, c'est Arthur, oui, merde. Il joue super bien. Moi, je pense qu'il faut vraiment garder tous les guests et virer les autres. Les deux là, les deux qui présentent. Faut garder les blagues et enlever les comics. On va faire la chronique pas jouée, tu sais, on va faire comme le concept de Navo avec la bande pas dessinée. En fait, on va juste mettre des dialogues qui apparaissent sur l'écran. En fait, faudrait que ce soit Arthur et Guedes qui présentent Darvec. Et nous, on fait les guests. Non. Non, même non, pas. Non, partez. Vous donnez l'émission. On fait comme le montage. Vous apparaissez. Bah non, des miroirs. On fait comme le podcast. Non, vous rendez l'argent. Ah, d'accord, on arrête tout. On prend l'argent aux abonnés, mais on en a pas. On appelle ça Save Rad. Darvec à l'envers, et on continue, mais on fait plus de comics. C'est pas un souci de talent ou de potentiel, je pense qu'il faut vraiment changer les gens, c'est tout. Hein. Je sais pas, soit faut qu'on arrête. Vous savez, votre chose, c'est un peu une entreprise, hein. Faut que ça marche. Là, c'est de la merde. Hein. Pas de profit, y'a rien. Il faut augmenter les prix, hein, c'est tout. Bah, je pense que vous devez. On va vendre nos vidéos maintenant, faudra les acheter pour les regarder. Je pense que tu devrais vendre le concept à Canal. Il y a Canal, mais Canal, ils en ont rien à foutre d'être Darvec. Mais inspirez-vous d'une chaîne qui a du potentiel. Je prends Cyprien Gaming, tu vois. Mais pourtant, on en fait du gaming. Hein. Ou Norman, tu fais des vidéos. Tuer des gens. Je vais faire comme Squeezie. Bon, ok pour l'épisode 4. L'épisode 5, Men in Black, on est retourné à un truc beaucoup plus classique. Est-ce qu'au final, faire cette petite parenthèse scénarisée, c'est pas l'épisode qui vaut rien ou si au final, l'original, rester original c'est mieux ou un truc dans le genre. Je trouvais juste que c'était mieux parce que vous avez pris du risque, tu vois, en faisant ça. Non, mais il y a un truc. Je trouve que. Il y a un truc, je trouve que. Excuse-moi de te couper. Il y a un truc. Ça change pas trop d'habitude. Alors. C'est la première fois que quelqu'un s'excuse en coupant quelqu'un dans ce podcast. Mérite une bière. Non, si vous voulez. Bah non, parce qu'en fait, du coup. Non, je pense pas. Moi je pense. Enfin, peut-être que je te. Moi je pense que. Ouais, je pense que. Ouais. Faites ce que vous savez faire et après passez à des choses un peu plus originales, je pense. Ah, c'est profond ça. C'est le mieux actuellement. Moi j'ai bien aimé justement la prise de risque. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne prise de risque, mais je pense que pour le moment, faites ce que vous savez faire. Je crois après... que justement c'est l'épisode que j'ai le plus kiffé pour ça, sûr. Merci. Mais après ça dépend des avis. Hein. En fait, moi je pense que prenez le plus de risques que vous pouvez faire. En fait, enfin, allez-y vraiment comme des gueudins. Et en fait, vous allez voir justement ce qui marche le mieux ou pas, ce que vous aimez le plus faire. Et après, vous allez pouvoir vous spécialiser vraiment dans un truc. Pour l'instant, on ne peut plus être trop hardcore. Faut pas faire de vidéo sur YouPorn. Faut pas faire votre propre Rule 34. C'est pas prévu. De toute façon, ce que Simon préfère faire, c'est l'amour. Ni contre Simon. plus sérieusement. Moi j'attends vos fanfics porno. Ah bah ça vient. Les fans sont dans mon sac. C'est déjà. Y aura des la règle 34. Et Nico toucha le micro de Simon. Ta perche. Moi le titre, la nuit je dessine en pensant. Le titre de ma fanfic c'est légal entre cousins. plus sérieusement. Avec mon regard de propagandiste. Latent, exactement. Ce que je dirais, c'est que motivé. C'est bien, ça, c'est bien que tu lises les comics, ça t'apprend des nouveaux mots. Ouais. Je me sens plus culturé. Je pense que c'est plus meilleur pour ma culture. Non. Malia, Valeria, Nagira. Valeria, ça va devenir Shakira. Nagira. On va appeler Bagheera maintenant. On va laisser parler Red. Vas-y, Red. Alors, je pense qu'avec mon avis de propagandiste, enfin l'avis du régime, n'est-ce pas N'est-ce pas N'est-ce pas Putain
Vas-y, vas-y, crée-toi. Il y a un gros travail à faire sur le tri des informations. Ouais. Oui. Votre rubrique a vocation à être informative, mais pas exhaustive. Parce que sinon, ça va être vraiment... Je n'ai pas Wikipédia. Chiant. Et... chiant. Et je pense que... Déjà, ça me dit pas mal. Encore plus que chiant, je dirais pas de couilles. Ouais, et puis... allez-y, allez-y, déversez, déversez, c'est le moment. Surtout c'est le moment. Pour manipuler la populace, hein, faut lui donner ce qu'elle veut. Hein. La populace du troisième règle. Les robots du troisième règle. Du sexe avec des robots. Du cul. Mais c'est du vrai. Sexe avec des robots. Simon pourra confirmer, mais Niblack, on a enlevé quand même pas mal d'infos. Ouais. Mmh. On a vraiment élagué, on a fait quasiment 50-50. Là, vous l'avez fait. Moi, je dirais plutôt la tronçonneuse. Je pense que c'est mieux en faire 50-50. Tu vois, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait trop d'infos. On avait juste assez. C'était trop compact les infos, vous avez tous donné au même moment en fait. Ouais, c'est peut-être. C'est vrai. Il y a des c'est peut-être ce gros flux d'informations qui a fait qu'on s'est senti agressé. Je me suis senti agressé. Vous êtes un alien, tu te sens agressé. J'ai toujours ma cicatrice là. Là, c'est quand t'as parlé du film, j'ai eu mal. C'est juste parce que je me demande des dommages et intérêts. Ouais. Ah. Quand trop vite dans malgré tout, agressif. Déjà je comprends pas les mots vite alors. Malgré tout, ça doit avoir un aspect ludique et informatif, pas uniquement informatif ou pas uniquement ludique. Ouais, non mais c'est vrai. Mais là, vraiment pour le prochain épisode, là, l'épisode numéro 7, 6, 6, 6. Le numéro du diable. 666. Peut-être vrai, quand on fera l'épisode 666, on t'appellera. c'est vrai que là, on a vraiment lagué. On a vraiment splitté le truc en deux. C'est 50% sketch, 50% information. Un petit peu plus en fait. 55-45. Mais de toute manière, plus vous en ferez, plus vous allez vous améliorer et plus ça sera mieux. Ouais, donc, c'est en forgeant. C'est vrai parce que déjà, je trouve qu'on va beaucoup plus vite. On va beaucoup plus vite sur le tournage. Ouais, c'est ça, une fois que tu t'habitues à... et que tu sais où tu vas, t'as tes marques et tu tout, sais comment tu veux évoluer. Ouais, et t'as une certaine. Faut pas oublier d'où une certaine habitude de travail. Faut pas oublier d'où tu viens, gros. On vient de la street. Tu viens du ghetto, faut que tu l'oublies. Pas de série aussi bientôt, non? Ah ouais, c'est un tueur série. Faites-vous plaisir sur un thème, voilà. Déjà, on va faire un exemple pour les. Amusez-vous. Le cul avec les robots. Pour répondre aux commentaires des vidéos. Ah, la fausse FAQ. Attendez, on va faire. On recule d'une minute. On va faire le point avec Phoenix. On précise les choses. Dans un an, on a un bêtisier. Soit. Février 2016, il y a un bêtisier de à peu près 8 ou 9 vidéos. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre. 900 minutes. Quoique un bêtisier de 2 heures, je peux peut-être. 1h30, je pense qu'on peut le tenir. Non, on peut pas un bêtisier d'une heure. Non, on va faire un bêtisier de 5 minutes, 5 minutes à peine. Bon, sinon, on va croire que c'est un vrai épisode. Et aux 100 abonnés, j'énonce, aux 100 abonnés, on fait une fausse FAQ. Enfin, une fausse FAQ. Une vraie fausse FAQ près d'une. Prise d'une autre vraie FAQ d'une personne très connue, alors qu'elle ne devrait pas. Ouais, mais on va garder la surprise quand on aura 100 abonnés. Enjoy. Mais en joie. Je crois qu'on va arrêter les ratoms parce que moi je croyais que les ratoms c'était le moment où nos invités nous suçaient la bite en fait. Et bien c'est ce qu'ils ont fait. Bah non. Non, ils nous ont d'abord cassé la bite avant de nous essayer de nous la recoller. Non, d'abord on vous a sucé la bite et ensuite on va refermer les dents. Ah. On a mordu, on a arraché avec les dents. Non, mais c'est très. D'abord je lui ai mis un doigt et après il m'a sucé. On voit que ça avance parce que c'est la première fois qu'on lit un commentaire dans un erratum. Et ça, je suis vraiment fier. Merci Paul. C'est une bite en absinthe pour toi. Alors on va arrêter tout de suite cet erratum pour le jingle. Allez, bout de ma cocaïne. Nous revoilà pour le podcast aussi de Darvec sur ce thème magnifique. On va discuter pendant un petit moment. Est-ce que le scénario d'un jeu sert-il à son gameplay ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est le gameplay qui sert au scénario ou est-ce que c'est les deux? Oui! Ou aucun des deux. Alors, non, le scénario ou sa narration? Ah ben, justement, faut qu'on parle de là-dessus. Est-ce que, ben, par exemple, on va faire un tour de table rapide pour voir les tenants et les aboutissants et on va surtout rebondir sur ce que disent les gens. Le Chevalier Blanc, quel est pour toi le jeu avec le meilleur scénar? Que tu as joué. Pourquoi ça commence encore par moi? Parce que tu es en face de moi. D'accord. Alors le jeu avec le meilleur scénar pour moi. FF7.
Non, pas toi. Pas d'objectivité. Non, moi j'ai bien qu'il fait 9 par contre. Street Fighter. Non. Non, mais j'attends. Plus fort. J'attends les stages bonus où vous détruire la voiture. Ça c'est du bon Zelda. Burnout 3, takedown. Bam, direct. Non, j'ai pas fait FF7, mais j'ai fait FF9 et j'ai bien kiffé le scénar. J'ai bien reçu, ouais. J'ai pas trouvé FF9. Je pense que vous aimez bien les pièces secrètes dans Jedi Knight Jedi. On en a rien à foutre des pièces secrètes. On les trouve comme ça. Qu'est-ce que j'ai kiffé? Beyond Good and Evil. White Knight. Ouais, White Knight est vachement bien. Oui. J'adore de plus. Au niveau du scénario. Ouais, c'est intéressant. C'est vachement intéressant. Moi, je trouve que c'est assez prenant. Alors, est-ce qu'on peut parler de. Non, mais après, il y a les jeux où j'ai kiffé, où c'est vraiment le scénar que. Comme je dis. Ouais, est-ce que. Alors là, j'ai posé en fait, la question si à. Si je veux un scénar, je mate un film, c'est pas pareil pour moi. Tu vois. Ah bah là, on va faire pourquoi... juste un tour de table avec un titre de que chacun. Oui. Ouais, mais non, mais explication. On peut, et bah, peut essayer aussi de poser des questions. Pourquoi, quand tu veux un bon scénar, tu regardes un film? Pourquoi il n'y aurait pas un jeu qui t'offre un bon scénar? Joue au délire. Ah, je dis pas qu'il n'y aurait pas de jeu qui peut m'offrir un bon scénar. Mais si je veux que du scénar pur, je mate un film. Parce qu'il dure que 2 heures, pas parce qu'il dure 2 jours comme pour être un jeu. Ou je lis un bouquin. Ça, et si j'ai un jeu, moi je veux du gameplay, je veux jouer quoi. Ouais, jouer, moi je suis d'accord avec ce dit le chevalier blanc. Plutôt pas d'accord. Plutôt pas d'accord, vas-y, plutôt, vas-y. Plutôt pas d'accord aussi. Expliquez-vous, expliquez-vous. On va faire dans l'ordre peut-être. Ouais, bah. Chacun son avis. Je vais passer la parole et je reviendrai plus tard. Ok, ouais, ça va. Vas-y, Flo. Du coup. Objection. Si, alors je pensais parler de Beyond Good and Evil, Michael l'a déjà cité donc il va peut-être pouvoir le dire, je sais pas. Et bref, bon, il y aurait Beyond Good and Evil. Il n'y a pas joué ce con. Sinon, bien sûr que si. Sinon, un jeu auquel Michel Ancel. Il y a à peu près que moi et Simon qui avons joué à ce jeu. FIFA 15. Qui avons autour de cette table, c'est Shadowrun et c'est pendant, il y a plein de Shadowrun différents. Ah, Shadowrun, c'est très bien. Parce que s'il faut savoir avec Shadowrun, c'est qu'à la base, c'est un jeu papier, c'est un jeu de plateau. C'est un univers. Non, c'est un jeu de rôle, c'est pas un jeu de plateau. Très bon jeu. Il est jeu de rôle, ça va être des jeux de plateau. Oui. Oui, mais là, c'est un jeu sans tableau. Ouais, mais on peut dessiner. Bref, on s'en fout. Et donc, Shadowrun, c'est hyper intéressant pour ceux qui savent pas, c'est juste un. Un univers univers science-fiction dans lequel s'intègrent des instances fantasy. De... Voilà, mais c'est le même gameplay qu'un FF Tactics. C'est exactement le même gameplay. Il y a des cases partout, et on dirige une équipe et il faut. Westland. C'est un peu comme Dofus. Non. ça sent bien le mec qui a jamais joué à Dofus. Là si j'ai joué à Dofus, tête de con, j'ai joué 2 heures après ça me casse. T'as pu te promener dans le premier niveau et puis c'est tout. Un carnaval. Okay. Moi j'ai joué au moins 10 heures. J'ai défoncé des moutons dans la soulette. Je me suis cru dans un kebab, ça m'a cassé. C'est des bouffe-tout. Pareil, c'est des moutons. Des bouffe-tout, oui. Et donc pourquoi j'ai parlé de ce jeu? Parce que ce jeu-là c'est vraiment purement un truc où le gameplay sert l'intrigue et pas le contraire. Comment? Comme le gameplay, à la base, ils ont pensé, c'est limite un livre, il y a toute une histoire. Mais c'est un vrai jeu de rôle à la base, Shadowrun. Oui, c'est un jeu de rôle. Mais du coup, à la base, il y a déjà un univers qui est très profond aussi, ouais. Donc c'est ça qui est... Et l'univers est extrêmement profond, il y a un scénario qui est extrêmement complexe, et par-dessus, ils mettent une couche de gameplay, c'est-à-dire qu'à telle étape du scénario, intervient telle bataille, etc. Mais il y a des phases où il y aurait pu avoir des combats et où ils ont fait une mini cinématique. Le gameplay vient en plus du scénario. Ça pourrait très bien être un film, même si ce serait un film tout à fait pourri. Je pense qu'en fait le gameplay interagit plus avec le scénario, dans le sens en fait si dans ton arbre de compétences il y a des trucs que t'as pas, il y a des pans de scénario que t'as pas. Il y a aussi ça. On devrait peut-être ça commencer aussi par expliquer ce que c'est que la notion de gameplay. Je vois Valéria qui commence à être un petit peu perdue. Alors, gameplay ou game feel, quel mot va-t-on utiliser? Alors, gameplay, c'est comment on y joue? La façon de jouer, en fait. La manière de jouer. C'est tout ce qui va définir ton interaction avec le jeu. Ouais, bah, par exemple, le gameplay de Mario, c'est sauter. Point. Et courir. Courir et sauter. Ou tirer des boules de feu quand t'as le. Et maintenant, des boules de glace. Et se transformer en raton laveur. Et monter sur une chaussure là qui te permet de sauter plus loin. Bah, le concept de base, le gameplay de base de Mario, c'est sauter. Le gameplay de base de Shadowrun, c'est faire c'est des. Cliquer avec sa souris. C'est cliquer avec sa souris. Bah ouais, le point and blast de Monkey Island, par exemple, c'est un point and click. Ça veut dire qu'il doit cliquer un peu n'importe où sur l'écran pour trouver des indices et résoudre une intrigue. En gros, t'es. Non, c'est un clavier. Un peu comme Dragon Slayer. Voilà. Non, Dragon Slayer, c'est un QTE. C'est un QTE, mais bon. Ouais. Le gameplay, c'est la façon de jouer. Est-ce que maintenant, l'histoire du jeu peut
changer la façon de jouer, ou est-ce que c'est la façon de jouer qui te permet de développer une histoire? Ah, c'est ça la question? Bah, c'est ça. Parce que comment tu l'as formulé avant, bah, ça posait pas la même question. Bah, c'est influencé. Est-ce que ça sert? Est-ce que le scénario sert au gameplay? En fait, c'est qu'est-ce qui est prédominant? Est-ce que dans un jeu vidéo... Est-ce que le prédominant, c'est le gameplay ou le prédominant? Mais en fait, au niveau du jeu vidéo, je pense qu'il faut avoir une espèce d'alchimie, en fait. Au final, bah oui, parce que c'est comme une grosse recette. Non, mais quand il y a un jeu de... quand il y a un jeu à la con, tu vois, genre, qui joue vachement historique et qui te balance que du QTE, tu vois. Tu t'emmerdes. Ouais, comme dans Iveren, je m'emmerde. Concrètement, je m'emmerde. Mais c'est comme un jeu vidéo, c'est du gameplay, quoi. Non. Parce que tu peux avoir de très bons jeux sans scénario. On va passer à un très bon jeu avec des bons scénarios et pas du tout de gameplay. C'est vrai, ouais. Mais t'as certains jeux qui vont pas mettre un scénario. Si, le gameplay est très bon. Tu vois des versus fighting, mais tu t'en fous du scénario dans des versus fighting. Le scénario peut être un jeu. C'est le principe du jeu. C'est le cas du Order. Bah le scénario c'est un GLS, c'est bon expliqué. Tu regardes le film, c'est un gameplay. Tu penses que c'est exactement un jeu vidéo, c'est un média, c'est-à-dire qu'il doit assembler. Pour moi, déjà, 30% d'un. Je suis un mauvais gamer, 30% du jeu vidéo c'est la musique. Il y a en plus l'aspect graphique, il y a le scénario, il y a le gameplay. C'est quelque chose de différent pour moi qui doit rentrer en alchimie pour faire un bon jeu vidéo. C'est vrai. Okay. Moi j'ai joué à Game Dev avec Moon. Alors vas-y Red, prends la parole. Alors je suis relativement d'accord. Moi pour ce qui est des jeux que je juge avec un scénario qui détonne, c'est je pourrais citer tous les jeux tels. Ouais. C'est. Bah là c'est vraiment le but, c'est le scénar. C'est le but, c'est le scénar. Ouais. Je pourrais. J'y ai pas joué. J'ai regardé un let's play de Over. Everybody Come to the Rapture. Ouais. Ah bah c'est ça que je recherchais il y a deux jours là. C'est vraiment un jeu magnifique. Ouais c'est super. Qui mêle avec brio la façon dont tu vas te déplacer. Vraiment, le seul gameplay, c'est se déplacer. C'est un Telltale? Non. Ah, c'est celui où t'es dans un bateau et c'est dans un truc Lovecraft? Sunless Sea, ouais, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Là, encore, c'est vraiment un jeu avec un gameplay simple, quoi. Un gameplay à la Mario, c'est vraiment tu te déplaces. Ouais. Mario, c'est sauter là, tu te déplaces, juste ça. C'est un jeu de promenade. Tu déplaces pas de la gauche à la droite, tu choisis. Non, parce que c'est vraiment intéressant. Tu choisis là où tu veux aller, même si t'es légèrement guidé, tu choisis là où tu veux aller. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que t'as une partie de la carte qui se débloque habilement à chaque fois que tu passes un nouveau chapitre. Ouais. C'est-à-dire une porte qui va se déverrouiller ou t'avais pas envie de passer avant, tu pouvais pas passer avant. Bah, ça ressemble vachement à un livre dont vous êtes le héros, tu me racontes. Non. Parce qu'au final, c'est tu vas là où tu veux aller, tu ouvres les portes que tu veux, tu laisses tes doigts sur les pages pour essayer de revenir avant si jamais tu vas crever dans la page suivante. Dans le jeu, en fait, t'es pas vraiment un personnage, on sait pas qui t'es, on sait pas ce que t'es. En fait, t'es juste une sorte de présence. Tu laisses tes doigts sur les pages. Si tu déplaces, on m'écoute pas. Vas-y. Moi, oui, dans Everybody Comes to the Rapture, ce qui n'a rien à voir avec Bioshock. En gros, t'es une espèce de présence qui se promène dans une ville où il s'est passé quelque chose. Et c'est pas quoi. Une histoire de maladie, de bombe. Et en fait, t'es juste une présence qui se promène dans ce qui s'appelle la vallée, là où se passe le jeu. En fait, t'as des sortes de cinématiques à la Half-Life, en fait. T'as un trigger qui se déclenche, tu peux te barrer, t'en as rien à foutre. Et en fait, c'est juste des lumières avec des dialogues et tout qui expliquent ce qui s'est passé. Voilà. C'est le principe du jeu, c'est de te promener d'essayer de tout trouver. Bah, un peu comme le nouveau jeu R, là, où tu dois regarder des... C'est encore différent. Pour parler de R, c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, tu dois regarder des fichiers de police, une interrogation. Juste pour rebondir vis-à-vis de ce qu'a dit Simon, en fait, tu arrives dans une ville où il s'est passé quelque chose. Tu l'apprends dès le début, il s'est passé quelque chose, une espèce de catastrophe. Et ils font. T'entends des dialogues. Tu devines que c'est des personnes. Au final, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est le mystère, c'est résoudre un mystère. Donc c'est vraiment le scénario qui est intéressant. C'est vraiment. C'est pas vraiment l'intro d'Half-Life 2, quoi. C'est pas vraiment ça parce qu'au final, tu vas capturer des moments de vie entre plusieurs personnages. Ouais. Qui vont pas forcément parler de la catastrophe. Ils vont parler de leur interaction entre eux. Et vis-à-vis de ça, tu vas commencer à t'habituer à ces personnages, découvrir ce qui s'est passé entre eux, indépendamment des autres, à tisser des liens. Et en passant outre ça, tu vas commencer à comprendre ce qui s'est passé en fonction de là où tu as exploré.
Ouais. Et par exemple, t'as des liens entre je sais pas, le mari d'une scientifique et le frère de sa mère. Enfin, supposément, c'est aucun rapport vraiment avec la catastrophe. Ouais. En vrai, si. Ben, c'est. Je sais pas. Donc, en fait, à la fin, il y a un déliant qui permet de tout mettre en ordre. Ouais. C'est pas vraiment un MacGuffin parce que tu te rends compte au fur et à mesure que c'est. C'est vraiment un truc. Il s'est passé un truc, t'as une présence, elle a évolué, les relations évoluent entre les personnes, t'en as qui ont disparu, t'as des mystères qui se trament. Après, t'es pas obligé de suivre un chemin prédéfini. Mais au final, c'est vraiment comme Her Story, c'est juste le gameplay qui est différent. Par exemple, dans Her Story, comme tu dois lire, enfin, tu dois visionner des fichiers de police, c'est des interrogatoires d'une femme, tu dois savoir si elle est coupable ou non, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, non, en fait c'est les indices. Et il me semble que tu peux pas revoir. Si, tu peux la revoir. Ouais, parce qu'en fait, tu peux taper ton nom, enfin, tous les mots clés que tu tapes, en fait, tu peux. T'as un historique, en gros, en fait, et tu peux mettre les vidéos que t'as déjà vues dans un fichier spécial. En gros, c'est dans un fichier bloc-notes, en fait, tu mets juste les vidéos qui t'intéressent. Mais. Avec Her Story, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le jeu, tu peux finir avec trois mots-clés. Ok. En soi, un speedrun, le mec, il tape les trois mots-clés. Mais en fait, ça n'a aucun intérêt parce qu'à la fin, en fait, tu n'as jamais l'interview en entier, en fait. C'est toi-même qui te dis à la fin si tu as compris ou pas. Même si tu as un trigger qui t'annonce la fin du... Tu as deux fins possibles. Soit tu réussis l'enquête, soit tu ne réussis pas. Mais moi, j'ai pas vu la fin où tu l'as réussi parce que... Parce que je suis une bille en anglais. Mais en gros. Mais c'est dans, un peu dans ce jeu-là, en fait, si tu cliques pas, si tu interagis pas avec le jeu, il se passe rien. Que dans. Il faut vraiment que tu cherches par toi-même, c'est un jeu de réflexion, en fait. Si tu n'as pas la volonté de le faire, le jeu, tu le fermes et tu ne le rouvres plus. Que Everybody Comes to the Rapture, si tu suis juste la route, tu arrives à la fin du jeu, quoi. Alors que tu peux juste. Tu as juste besoin d'un fond d'écran interactif, tu vois. Bah t'as juste à te promener dedans et il se passe rien, quoi. Comme l'écran de veille de Windows, voilà, il se passe rien mais tu peux marcher dedans. D'ailleurs les graphismes sont magnifiques. Ouais, c'est super beau, ouais. Les mecs ils nous ont géré. L'écran de veille de Windows. Les murs en briques, ouais. Ça c'est beau. C'est tellement bien. Mais le problème avec Everybody Comes to the Rapture, c'est que c'est une exclusivité PS4. Ouais, c'est des briques mecs. Et bim, Microsoft. Ouais, mais ils ont dû passer sur un PC pour le programmer le jeu. Oui, et alors? Ah voilà. Non, mais après, c'est en fonction des. C'est pas facile aussi de trouver des canaux de diffusion. Ils ont réussi à en trouver un auprès de PS4. C'est empressé, j'imagine, de rajouter une exclusivité à leur contrat. Non, mais. Moyennant financement. Pour toi, est-ce que c'est un jeu qui a un scénar vraiment merveilleux et qui est l'un des jeux dont le scénar tu préfères? Je pense pas qu'il faut voir le jeu vidéo comme un média à part, c'est vraiment un média comme les autres, comme un livre, comme un film. Attends, c'est pas la question que je te pose. Je vais nuancer mes propos. Vous déplacez de la question, Michel Apathy. Je situe un contexte pour mieux répondre à tes questions. Okay. Un film, t'as des films que tu vas aller voir, des films d'auteur que tu vas aller voir pour le scénario, t'as des films que tu vas aller voir pour les effets spéciaux, t'as des films que tu vas aller voir pour les acteurs, Transformers, pour les acteurs, pour le réel. Jurassic World, je le tiens à dire, j'ai juste vu pour la Chris Pratt. Pour le, c'est exactement ça. Il y a des jeux, tu vas y aller pour le gameplay, il y a des jeux, tu vas y aller pour le développeur, tu vas y aller pour l'histoire, voilà. Après, je pense qu'en fait, c'est la question, c'est pas très bonne. Après, pour moi, vraiment, ça, c'est complètement objectif, ça dépend des attraits de chacun, mais un jeu, ça dépend surtout de la réalisation artistique, du choix artistique d'une équipe. Ouais. Mais pour toi, plus un jeu est beau ou original, et plus il est bon. Non, c'est des critères complets. Bon, c'est un critère. C'est subjectif. Quand c'est beau pour toi et original au niveau du graphisme, c'est mieux. Peut-être tu préfères avoir un meilleur graphisme, même si le scénario est un peu plus banal, tu préfères avoir un meilleur graphisme. Non. Battlefield. Ça dépend vraiment des jeux. Pour revenir à ce que je disais, ceux qui créent les jeux, les game designers, ils le pensent en fonction du projet qu'ils ont envie. Il y en a qui vont mettre en avant le scénario et qui vont servir du scénario comme clé pour développer leur gameplay. C'est un peu le gameplay dans Everybody Comes to the Rapture, c'est les gens qui se déplacent et ils ont fait des choix de game design en fonction des zones que tu vas explorer,
en fonction de... Une zone que tu peux explorer. Que tu peux explorer, oui. Une zone que tu regardes et que tu pourras jamais y rentrer. Il est un peu frustrant, ce jeu. Après, honnêtement, c'est ceux qui créent les jeux vidéo qui font à leur sauce. T'as plusieurs écoles, t'as des gens qui ont des projets différents, des envies différentes. Tu peux pas comparer à un jeu qui se veut narratif et qui a un gameplay en compétences comme les Telltale où tu fais vraiment des choix, c'est vraiment juste ça, mais ça a une évocation. D'un jeu où, pas un beat'em all ou autre, où le scénario va être mis au second plan. Dans un beat'em all, tu peux avoir un scénario aussi. God of War. God of War, il a un scénario. Le meilleur exemple. Il y a plein d'intrigues intéressantes. C'est plutôt le versus fighting, ou alors tu vois. Les jeux de sport. Même jeux de sport, il y a deux conversations en même temps, les gars. Il y a deux conversations en même temps. Deux conversations en même temps, les gens. La Bastéry, il a l'air tout Google. Vraiment, il y a pas de Google. C'est pas parce qu'un jeu est plus narratif qu'il est meilleur. C'est pas parce que t'as des clés vraiment de le gameplay. Même au niveau des platformers. Des platformers, je pense à Ratchet & Clank par exemple. Il y a du scénar. Mais on va y venir. On va passer à Naïm. Naïm est un platformer tout seul sans scénar. Fais ta petite conclusion. Mon avis, c'est qu'il y a plusieurs éléments, le gameplay, tout ce qui permet de t'intégrer dans le jeu, donc. Que ce soit visuel ou musical, tout ce qui va t'entourer. Tu as aussi le scénario, et tout ça, ça forme une espèce de recette en fonction du type d'alchimie. De jeu que tu veux faire. Alchimie, c'est le mot du soir. Exactement. Le mot du soir, ce sera alchimie. Full Metal Alchemist. Mais t'inquiète, Red, on va te redonner la parole, tu vas pouvoir en parler ta conclusion. Tout ce qui change d'un jeu à l'autre, c'est l'utilisation que les développeurs. Et que les gamers veulent. Non, après tu peux faire du gameplay émergent. C'est les développeurs, ils proposent quelque chose et c'est les joueurs qui trouvent comment y jouer. Et t'as aussi des jeux presque sans gameplay. Ah oui, il y en a. Franchement, tu prends Civilisation, t'as pas un gameplay. Il y a que du gameplay dans Civ. Tu t'en fous. Mais on va y venir. Il y a un jeu comme ça d'ailleurs, je crois que c'est. Game Tycoon, Game Dev Tycoon, tellement bien. C'est vraiment ça en fait, t'ajustes en fonction de ce que tu veux faire. T'ajustes plus de scénar, plus de musique, moins de bruitage. Et en fonction du type de jeu, c'est tout le temps pareil. Au final, même si en vrai tu vas pas avoir des. Tu vas pas revoir des jauges que tu vas bouger comme tu veux, ça va plus se calculer en heure de travail ou en apportant ce que tu y portes. Ok, on passe à Naïm. Naïm, c'est quoi pour toi le jeu qui a le scénar le plus fou? À mon avis, c'est BioShock le premier. C'est vrai qu'il est un peu près unanime ici. C'est même pas rien que le. Non, non pas. J'aime bien, mais j'aime mieux. C'est pas que l'histoire, je veux dire. Ouais, genre, après, c'est... Visuellement, c'est magnifique. Après, oui, il y a pas que le scénar. Tout le jeu me plaît en fait. Tout simplement. L'univers, le gameplay. J'ai passé des heures dans le jeu à juste me balader et à regarder ce qui se passait. Quoi. Rien qu'à regarder dehors. C'est un jeu vivant. Et puis t'as plein de petits indices. Tu peux écouter la radio, tu peux écouter les jukebox, tu peux écouter un peu. Tu peux regarder juste dehors, tu peux voir des trucs. Tu vois. J'ai une mauvaise habitude quand je joue, c'est de très vite passer sur les musiques des jeux et de très vite écouter autre chose en jouant. Alors BioShock, je peux pas. Dès que je mets BioShock, je mets la musique du jeu et je suis pris dedans. Ok. Parce que c'est vraiment excellent. Mais t'as raison de lire, Grégoire. C'est Greg. C'est peut-être pas le jeu avec le scénario le plus fou, mais c'est un scénario efficace. C'est pas comme BioShock Infinite, qui est un scénario qui part extrêmement loin. Il peut être cool ce scénar, mais au final il est pas efficace. En soi le scénar est vraiment sympa. Mais oui, il est sympa à écouter, mais il est pas efficace. On prend la peine de s'y intéresser en ayant des interactions avec les éléments qui vont compléter l'histoire au final. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu chiant à suivre, c'est un peu fatigant, même si le jeu est intéressant. Il a un bon gameplay. Ouais, c'est dynamique, c'est un peu nerveux, mais en même temps, c'est peut-être parce que l'architecture m'a complètement vidé la tête, quoi. Ce jeu est tellement beau au niveau architecture. Ça c'est vrai, il est vraiment beau. Tu te promets, tu t'arrêtes, tu fais... Mais tu vois, toi c'est le robot de porn, pour moi ça c'est de l'archi-porn. Non mais, mais pareil, moi tu vois, quand j'ai vu, c'était dans les cieux et tout, j'étais comme un dingue, j'étais ça va être trop bien quand tu te balades. Enfin, le gameplay est vraiment dynamique, est vraiment sympa. Est-ce qu'on peut parler du post-apo porn?
T'inquiète pas, Florent, je suis avec toi sur ce coup-là. T'inquiète pas, Fallout va y aller. Monsieur Zulu, t'inquiète pas, je suis avec toi. J'avais même pas envie de parler de ce jeu. On va parler du pop-porn, ça me paraît intéressant. D'ailleurs, je vais faire un cosplay de Booker. C'est bon, Daniel ? Ouais. Ok, bon, on va passer à Soul. Soul, c'est quoi pour toi le jeu avec le scénario le plus fou ? Le scénario le plus fou ? J'hésite entre ferme ta gueule. le jeu, ferme ta gueule le jeu. J'hésite entre Metal Gear Solid, qui a vraiment un scénario de porc. Hideo Kojima. Kojima, et c'est FF7. Un homme. Ah, FF7. Mais j'ai passé tellement d'heures sur FF7 que c'est, je pense que je vais choisir FF7. Okay. J'attends FF7 le retour. Moi, je vais acheter le reboot, je vais acheter une PS4 pour ça. Et Kingdom Hearts 3. Ah, tu peux jouer sur PS3 aux anciennes. Oui, mais moi, je veux la version avec les nouveaux graphismes. C'est malade. Ouais. Ça a été fait avec l'Unreal Engine 4. Et moi, là, le FF9, j'y joue sur ma Vita. Attends, on fait. Pause. Parce que là, il y a 4 conversations en même temps. C'est ridicule. Moi, au montage, je vais mourir. Je peux enlever des voix, mais je vais mourir si. Non, mais là, tu calmes tes mains, tu dis on reprend. Ouais, mais là, c'est vraiment chaud quoi, parce que j'arrivais même plus à suivre Soul qui parle. Allez, dit que... Donc, FF7, qui est pour moi le meilleur jeu au monde. Oui. Comme ça, direct, nickel. J'ai passé 400 heures, j'étais gamin encore en plus. Hein. Encore en plus, hein. Encore en plus. C'est le plus meilleur de toute façon. D'abord. Qu'est-ce que vous avez vu? Lol. Non mais j'ai passé des heures dans l'univers, enfin j'ai passé des heures au Gold Saucer, j'ai passé des heures à faire des courses chocobo. On dirait un rap. J'ai passé des heures dans l'univers, j'ai passé des heures à faire des chocobo. J'ai adoré les scénarios Cloud, mais... Sephiroth, Aerys, qui meurt à cause de Cloud. Non, c'est une connasse, c'est tout. Elle est partie avec tes matérias, je suis désolé, c'est une connasse, elle aurait pu au moins les enlever. Parle un peu. Mais putain, en plus j'avais maxé au maximum sur le perso. Tu l'as dit, chaud. Ça arrive souvent de donner. Je suis désabusé. De donner le meilleur stuff à un personnage qui part. C'est très chiant. Oui. Mais voilà. Mais vous savez que d'ailleurs, petite anecdote, c'est qu'à la base, le perso était censé mourir, mais à la fin du jeu. Et, c'est quasiment la fin après. Ouais, mais vraiment à la fin du jeu. Parce qu'en fait, il y a des sprites qui montent. Enfin, quand tu vas dans les fichiers du jeu, t'as un écran. Qui est jamais dans le jeu, donc c'est une scène qu'ils ont dû supprimer, un truc comme ça, c'est trop bizarre. Faut couper, ouais. Tout. T'as. En fait, Sephiroth, quand il saute et qu'il va buter Aerys, il a ses gants. Dans la scène où il la bute, il a plus ses gants. Et en fait, ses gants, il les enlève dans le combat final. En fait, il enlève à peu près tout dans le combat final, il les torse poil. Voilà. Il est nu. Donc en fait. Et quel combat final, putain. Dans la scène où il bute Aerys, son torse, en fait, ce qu'il porte sur le torse, c'est trop bizarre, ça ressemble à ce qu'il portait avant, mais je sais pas, c'est moche, en un mot. Oui. Et ça fait rajouter. Et donc, en fait, Aerys était censé mourir à la fin, mais en fait, non. D'accord, voilà. D'accord. Bonne petite nague. Je trouve que le scénario est tellement gros dans les films qu'au final, ça importe sur la manière dont tu joues. Parce qu'à un moment, tu deviens Cloud en prostituée, c'est trop drôle. Oui, exact. Enfin, tous les personnages sont... Du coup, tu te mets à jouer, mais autrement... Et enfin c'est génial, ce jeu est génial. Bah en fait ça c'est bien parce que tu vois le scénar te pousse à jouer autrement. Voilà, mais dans plein de manières différentes. Quand tu veux avoir Vincent, t'es obligé de jouer d'une manière différente pour pouvoir le débloquer. Et c'est relou, c'est très très relou à débloquer Vincent. Oui. Il est insupportable. Je sais pas, explique nous comment il faut le débloquer. Ah, c'était il y a très longtemps, je pourrais plus te... En fait il est coincé dans son tombeau parce qu'il dort dedans, il dort dans un cercueil, parce que c'est un gros malade. C'est un gros gosse. Il faut que tu... je sais plus ce qu'il faut que tu fasses déjà pour y arriver. Ouais, il doit y en avoir dans le... C'était il y a tellement longtemps. Ouais mais si on a dans le patch encore. Non, il n'y en a pas. J'ai tout. Ah d'accord. Il y a tout sur le... Je vous gêne peut-être. Non, j'ai vraiment écouté. J'ai pas fait ça pour tout le monde mais pour toi oui. Pour moi un jeu avec ce scénario là, ça se refera plus. C'était tellement puissant. Mais c'était mais tu c'était peux, prenant quoi. Quand tu penses comme ça, tu peux pas faire de lien entre des machines robots, l'énergie de la Terre et des clones qui se battent parce que c'est des soldats, tu vois. Voilà. Mais en 400 heures de jeu, le jeu te le permet. Oui, c'est ça aussi. Il est très très long. Il est très très long et si tu vas à 100%, mon gars, faut y aller. À l'origine, il y avait 4 CD. Non, il y en a 3. Moi, le dernier, c'est la démo de FF8. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok.
très intéressant. J'ai entendu parler que maintenant les jeux étaient trop longs vis-à-vis de. Ah non, il y a mais ça, beaucoup. C'est la génération d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de flemmards de merde qui veulent que tout leur tombe dans la main. Alors attendez, on va passer un micro débat dans le débat. Est-ce que les jeux sont trop courts ou trop longs aujourd'hui? Moi je trouve que non. Les jeux courts, c'est pas grave. T'as kiffé pendant 4 heures. Tant qu'il est bien, c'est pas grave. Limbo est très court, mais très bien. Ouais, mais t'aimerais en avoir plus. Mais t'es moins d'avoir plus, mais c'est pas grave. Si, mais je refais une petite veille. C'est pas plus mal. C'est-à-dire que t'attends quelque chose et développe pas. Donc si sort quelque chose d'intéressant, bah tu vas l'acheter. MGS, c'est un peu comme une bonne série, tu vois. Si elle se termine trop tôt, t'en veux plus, mais MGS, c'est qu'il n'y en aura pas. 10 heures que je suis. Des fois, il se termine trop tard. Mais regarde, il y a des séries qui arrivent à bien se terminer. Breaking Bad, c'est 5 saisons, c'est clair, net, précis, c'est bien, c'est le bon moment. Et t'as bref ? Ouais, mais. Bref aussi. Et justement, quand ça finit tôt, et ben t'as pas le temps que ça devienne chiant. Non, mais il y a des séries ça s'arrête à ce moment où c'est encore bien. Mais il y a des séries dont tu veux la suite, genre Pushing Daisies. Je veux la suite. Ouais, mais ça, c'est parce que ça a été arrêté de diffuser. C'est complètement différent. Je veux la suite de Plus belle la vie. Mais t'inquiète, tu l'as. Tous les jours à 20h, pauvre con. Moi, je veux la suite de Lie to Me. J'avais adoré cette série. La suite à partir de quand? Moi, bon, je veux la suite de Terra Nova, putain. Non, moi aussi, non. Ouais. C'est peut-être le micro-débat qui part en couille. Donc, je vais passer à mon tour. Tu vas passer à mon tour. Moi, je veux la suite de Batman de Schumacher. Non. Bon, le jeu qui a le scénar le plus fou pour moi, c'est FF7. Non. C'est Spec Ops The Line. Adibou. Ouais. J'ai jamais joué un jeu aussi complètement fou. Parce que t'as pas joué à FF7. Non mais écoute, t'as pas joué à Adibou, mec. Attends, et dans Adibou, j'ai joué à des lettres à Adibou et puis tu peux dire vas-y gros PD et tout. Il prend la lettre, il fait, oh merci beaucoup, merci pour ta lettre. Et tu pouvais faire des gâteaux dégueulasses pour empoisonner l'autre. Mais l'autre. A dit le monstre. Le scénario, c'est vénère. T'as pas mieux que le Kitchen Line. J'aimerais et le Kitchen Line. J'aimerais expliquer comment moi je vois les jeux vidéo. Les jeux vidéo pour moi, c'est le gameplay. Donc ce qui fait que dès que j'ouvre un jeu vidéo, je mets en le mode le plus difficile possible. Parce que je veux du challenge. Pour moi, le jeu vidéo, c'est du challenge. C'est un défi qu'il faut que j'arrive à surmonter. Tu challenge, essaye de passer à travers un mur, la tête la première. Non mais c'est pas un jeu vidéo, ça, mec. Tu vas t'amuser pendant des heures, tiens à voir. Si tu veux du challenge, surtout une coquine. Joue à FF7. Par contre, tu vas mourir. Si tu veux du challenge, essaye de trouver une copine. Femme qui voudrait bien me déposer le spectacle. Voilà. Je suis sûr que c'est coupé au montage, mec. Je peux pas garder un truc comme ça. C'est dans notre mémoire. Si tu peux le garder, mais c'est toujours ta fierté, t'as pas envie. Ta fierté, t'as vu la gueule de Zassi. Tu sais, l'amplification, regarde, ça marche dans le sens inversé. Mais si tu veux, je peux le garder, mais je m'en fous. J'en ai déjà eu une, donc c'est bon. Je peux pas Nicolas, on va le faire ensemble. C'est ma première participation. Mais je sais bien. Quelle participation? Oui, c'est sûrement la meilleure blague qu'on a eue. Mais comment tu veux que je parle après? C'est d'un jeu vidéo, c'est complètement con. Tu vas mettre un petit bout de scratch, tu vas faire une ellipse. Tu vas faire des simulations de jeux de drague. Mais vous avez vu où est-ce qu'il est parti? On parle même plus des jeux vidéo là. Bon, et ben on part à zéro là, allez. Hop. Bienvenue au podcast. Ça y est, bienvenue au podcast d'Ardec. Nico est désormais dans le coma. Sans PLS par terre. Le respect est par terre. On va commencer un nouveau débat. Sans sa dignité. Nico arrivera-t-il à trouver une meuf prochainement? En position latérale. Confession intime, caméra à l'époque. Alors on y va. Xcam toujours. Retrouve-moi sur Badou. Je serai tous les midis au KFC. Clic salope. Clic salope. Je suis prêt à payer. Aide-moi. Je me présente, Nico, jeune homme séduisant. Attends, tu parles pas que ça avec ton nez. Portant des lunettes. Oh connard. Oh l'enculé! Je cherche femme tendre et cochonnerie! Une nazie si possible! Oh putain, vache! Samedi, je serai à l'efficinaire, merci! Je fais mes propres. Mais ça, tu pourras pas. Je fais mes propres fils. Moi, j'ai une fille que j'ai croisée au Super U. Rendez-vous aux pompes funèbres dimanche prochain. J'ai un magnifique cercueil pour toi. La vache. Un cercueil double place. On s'arrête là, c'est avec bon. Avec une couette en satin.
Est-ce que vous avez jeté tout votre bide là? Ça y est, c'est bon. C'est parti loin comme humiliation. Mais c'est pas fini. Là, j'ai des pierres maintenant. Le respect, il est en position. Moi, je vais couper tout ça et je vais en faire un podcast hors série, l'humiliation. L'humiliation en 10 leçons. Attends, beaucoup de podcasts, il y en aura sûrement d'autres qui vont prendre cher et tu fais un gros podcast. Il faut dire que c'est de sa faute. Non. Merci Florian Dupéret. Allez, qui habite au 36 rue Quai des Orfèvres. J'aimerais beaucoup te prendre. Je dis ça comme ça. Merci. Bon, allez, on continue. Même si Monsieur Soulou s'est cassé, il est parti. Il a cherché ton respect. Bah là, il est parti se masturber. Monsieur Soulou. J'arrive, genre, c'est pas des liens. Là, il y en a plus. Regardez où était ta dignité parce qu'il était parti loin. Il y en a encore. Non, il y en a plus. Il y en a encore. De dignité, mais non, il y en a plus. Il y a plus de 20, je suis désolé. Il reste peut-être une. Ouais, on se casse, rien. Allez. Il n'y a plus de dignité, de toute façon. Bah, hey, qui vient à l'espace. Allez, qui fait une... Et que 11h30, les gars, pour un after, c'est un peu tôt. Bon, allez, un. Spec Ops The Line. C'est cool. Spec Ops The Line. Bon, est-ce que je peux expliquer quand même comment je joue aux jeux vidéo ou pas? Non. On parlait de challenge, je crois. T'as envie juste d'expliquer comment tu joues au multi. C'est pas qu'il y a du tir en mieux. Non, c'est pire. Non, bon, j'explique. Moi, ce que je préfère dans les jeux, c'est les platformers et les jeux qui ont du challenge. Mais, dès que je lance un jeu, normalement, je mets le mode le plus difficile. Mode hardcore, mode très difficile, tout ce que tu veux. Mais pour Spec Ops The Line, je suis reparti en mode facile, juste pour kiffer le scénar. Et je crois que c'est le seul jeu qui m'a poussé à faire ça. Et c'est le seul jeu que j'ai. Il te met face à tes choix, en fait. Par exemple, l'un des moments les plus fous et qui m'a fait arrêter de jouer. C'est tu arrives sur un canyon, il y a des gens qui te braquent avec des snipers et qui disent tu t'arrêtes, on est en train de faire une exécution publique, on va pendre 3 mecs. 2. Non, ils sont 3. Ils sont 3 parce que j'en ai sauvé 2, il y en a un qui est mort. Ils étaient 1000. Et, au moins 1000. Et en fait, le truc selon c'est la que police. Tu t'arrêtes. Selon les syndicats, ils étaient 100 000. Tu t'arrêtes et là tu vois les mecs qui sont en train de se faire pendre. Et là moi je pouvais pas laisser ça, donc j'ai tiré sur les cordes. J'en ai réussi à faire tomber deux, ils ont commencé à me tirer dessus, donc j'ai riposté pour pas mourir. Il y en a un qui est mort. Mais le truc c'est que face à ça j'ai fait, mais en fait je sais même pas ce que j'ai réagi instinctivement. Et c'est la première fois qu'un jeu me fait réagir instinctivement et ne me met pas dans la peau du tu es un joueur, qu'est-ce que tu fais pour mieux avancer dans le jeu, pour avoir plus d'expérience ou pour résoudre un intrigue, débloquer des succès. Est-ce que c'est encore du jeu? C'est pour ça aussi qu'il faut que tu joues à Shadowrun, parce que le scénar est tellement bien fait que mais ouais, ça te prend comme ça. Joue à FFC. Mais au final, Shadowrun, comme c'est du tour par tour, j'ai le temps de réfléchir. Tandis que là, c'était vraiment arrête-toi, on est en train de faire un truc. Là, j'avais plus de temps de réfléchir. Mais du coup, est-ce que tu trouves que c'est encore du jeu? Est-ce que ça te divertit encore? Ah oui, ça me divertit à fond. C'est une nouvelle expérience en fait. Ah oui, ça me divertit. Si t'es divertis. Encore. Encore. Ouais, ça me fait flipper et je me sens pas diverti en sortant. Est-ce que je peux spoiler un autre moment de Spec Ops The Line? Parce que je suis une. Ah non, oui. Un autre moment de Spec Ops The Line, c'est que ça fait à peu près 2 heures que tu joues. Ton personnage, il est avec, il est en interaction avec 2 autres personnages qui font partie de ton équipe. Il est le chef et donc il interagit entre eux. Et plus tu fais des choix, plus tu te rapproches de l'un plutôt que de l'autre. Et au final, il y a une baston. Pas une baston, mais les deux. Rivalité. Une rivalité, merci, entre les deux. C'est un peu gay, ça, non? Non, pas du tout. C'est une bonne. tu dois descendre. Alors, tu es à Dubaï pendant pendant une révolution militaire, un putsch américain. Comment on appelle les gens de Dubaï? Les Dubaïais. Les riches. Dubaï. À un moment, tu dois passer d'un immeuble à un autre. Tu dois passer d'un immeuble à un autre et tu passes en tyrolienne. Le truc, c'est que tu descends la tyrolienne. À ce moment-là, tu as tué plein de gens. Il s'est passé. Il y a eu plein de rebondissements. Et tu descends la tyrolienne. Et à un moment, tu vois que tu es en train de descendre. Et tu vois qu'il y a un mec au bout que tu vas lui foncer dessus. C'est inévitable, c'est une cinématique. Tu lui fonces dessus, tu as un écran noir. Et là, quand tu te réveilles, et ben, tu vois ton pote. Tu vois un de tes deux potes. Et là, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Le truc, c'est qu'à un moment, toi, t'as ton flingue dans la main. Tu sais pas comment il est arrivé. T'as ton flingue dans la main, t'es en train de le braquer. Le gars, il essaie de choper son flingue à côté en disant « Wow, wow, tu te calmes, qu'est-ce que tu fais? T'es mon boss, wow, qu'est-ce que tu veux branler ?» Et là, d'un coup, il te tire dessus, et c'est au moment où il te tire dessus que l'image, elle s'arrête, et tu vois que c'est un méchant. Et tu te fais abattre comme ça. Moi, j'ai pas pu tirer. Alors que après, quand j'ai repris le checkpoint et que j'ai redescendu en tyrolienne, j'ai tiré direct. Mais à ce moment-là, le jeu, il m'a tellement placé sur « Qu'est-ce que tu fais dans cette situation ?» Le principe de est-ce que tu es en train de jouer, ça s'est arrêté, c'est tu es en train de choisir. Et à ce moment-là, bah, je savais pas ce que je devais faire,
Et j'ai répondu instinctivement, c'est de rien faire, et je me suis fait abattre. La politique de l'autruche, quoi. Voilà, ça c'est ça, c'est ça. Et le truc, c'est que le jeu m'a tellement impliqué dans le scénar, qu'à ce moment-là, bah, j'étais en dehors du truc, quoi. C'est ça qui est donc totalement pas dans le jeu, en fait. Si, j'étais toujours dans le jeu parce que j'étais toujours en position de spectateur parce qu'au final j'ai. Oui, t'étais en spectateur, t'étais plus acteur. Le j'étais jeu, plus acteur parce que. En fait. Ouais, j'étais spectateur de ma réaction. C'est ça le truc. C'est beau ce que tu dis. Ouais, hein, t'as vu. Hein. Et c'est pour ça que Speak of the Line. T'étais plus en train de jouer, t'étais uniquement spectateur. Bah, pour moi, quand tu joues, c'est quand t'es dans l'action, c'est quand t'es en train d'interagir avec son action, c'est de ne pas en avoir fait. Mon action, c'est pas en avoir fait, alors que je devais en faire un. Il se regardait lui-même, donc c'est qu'il ne choisissait pas vraiment. C'est qu'il savait pas, il se posait la question de ce qu'il allait faire, et le jeu lui a pas laissé le temps. Il se regarde lui-même, c'est qu'il se pose même pas la question. Et un jeu, c'est un ensemble de choix. Et l'action de jouer, de faire telle action, sauter au tel moment dans Mario, c'est un choix. Ne rien faire ou tirer sur quelqu'un, c'est un autre choix, c'est une autre manière de jouer. Le gameplay de base de Spec Ops, c'est accessoirement de tirer sur des gens et surtout de faire des choix. Ouais, voilà. Pourquoi mais au final, non, mais c'est beau ce que tu dis. C'est beau et c'est intéressant. C'est et on bâche pas pour une fois. Non, mais Spec Ops, c'est un jeu vidéo qui est pas mal utilisé par les doctorants et les thésards sur le jeu vidéo. Il y a également eu dans Call of Duty une scène particulière, la scène de l'aéroport. Je sais plus dans Call of Duty. Call of Duty. C'est Modern Warfare 2. Où tu dois tirer sur des gens dans l'aéroport. Pas de civil. Pas de civil, ouais. Ouais. Et en fait, tu joues le rôle du terroriste qui est assez atroce. Et d'ailleurs, il y a une mise à jour qui a été faite après en fait. Au début, tu étais obligé de tirer sur les mecs de l'aéroport. Et après, ils ont fait une mise à jour comme quoi tu n'étais pas obligé. Si tu tires pas, la mission se continue. C'est juste un. Bah, dans Spec Ops, à un moment, t'as plein de civils qui commencent à faire n'importe quoi. Tu peux soit leur tirer dessus. Mais en fait, le jeu, c'est un gameplay émergent. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Donc, s'il se passe rien, ils vont faire quelque chose. Si tu les butes, ils vont se faire quelque chose. Et comme moi, si tu tires en l'air, ils vont faire quelque chose de différent à chaque fois. Et c'est là que le jeu devient important. Et c'est là aussi que dans Call of Duty Modern Warfare, ils avaient calculé deux. Ils avaient fait des tests. Et que dans les tests, je crois que tout le monde tirait sur les civils au bout d'un moment, même si on avait que ça avait dégoûté. Mais Spec Ops, moi j'ai tiré dès le début. Spec Ops, le principe du jeu, c'est que c'est un jeu qui te donne envie d'arrêter de jouer. C'est vrai. Spec Ops, moi il m'a fait arrêter de jouer pendant un an, je crois. Waouh. Un Spec Ops, j'ai joué à d'autres jeux, mais. Non, il est vraiment perturbant, mais il est super bien. C'est un chef. Ouais, en même temps, c'est adapté du roman qui a inspiré Apocalypse Now, donc. Au niveau du scénar. C'est vrai. Monsieur Soulou, pour toi, quel jeu a le meilleur scénar? Eh ben j'ai envie de dire Portal 2. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, c'est clair. Il est quand même super. En fait, bah il y a une période où quand j'étais petit, à chaque fois que je jouais à un jeu, tu vois, enfin pour moi le scénario était énorme. Parce que quand t'es petit, enfin chaque petite histoire, tu vois, t'es là, pour moi bon, le scénario des Sims, c'était ouf. Bah ouais, mais voilà. Genre par exemple quand j'étais petit, le premier jeu sur PlayStation 2 que j'avais joué, c'était Ratchet & Clank. Et genre c'était un truc de fou, tu vois, pour moi c'était un scénario mais de malade. C'est un quoi. Bon jeu en soi, en fait. Et genre j'ai grandi et tout, et puis j'ai commencé à jouer à Counter-Strike, essayer de me mettre un petit peu dans l'e-sport, tu vois, enfin pas me mettre dans l'e-sport en mode vénère quoi, mais en mode vas-y c'est le gameplay qui compte avant tout et machin. C'est le challenge. Le challenge, voilà. Et à chaque fois que j'ai envie d'acheter un jeu pour le challenge que ça a apporté, ou pour la durée de vie, tu vois. Ouais. Et là, j'ai acheté Portal 2, tu vois, et genre le truc il a duré 6 heures, tu vois, genre, je l'ai fini en 6 heures. Ouais, ça j'ai tellement kiffé, j'avais vraiment l'impression de regarder un film quoi. Ouais. C'était génial. Et un film où tu pouvais interagir quoi. Ouais, c'est ça. Non. Enfin, mais même au niveau du gameplay. En fait, t'as pas l'impression de regarder un film. Non. Bah en fait, non, t'as pas l'impression de regarder un film. En fait, t'es tellement pris dans. Je sais pas, l'alchimie est là quoi. Dans Portal 2, je pense que l'alchimie est là. Et pourtant, le gameplay est très limité. T'as une histoire qui est racontée en fait. Mais en fait, tu joues à côté. Mais en plus, l'histoire, tu sais pas trop ce que c'est au final, l'histoire, parce que t'es dans une espèce de labo un peu mystérieux. T'es là, et en fait, t'inventes l'histoire un petit peu de ton côté aussi. Exactement. Je te conseille. C'est la part de mystère qui te fait. Mais en même temps, ils te guident aussi. Le nouveau Portal. C'est eux qui décident ce que tu vas imaginer, carrément. Mail Stories. Mais il faut faire le 1 avant. Je pensais. Ah, j'ai fait le 1. T'es pas forcément dans Talos Principle. Talos Principal. Non. Mais le 2 m'a paru quand même vachement plus puissant. Je sais pas pourquoi. En même temps, il y a plus de personnages. À la base, le 1, c'est. L'ados. C'est une mémotechnique. C'est à partir des moteurs de. Source. Ouais, c'est source. Ça, c'est Source. Bah, c'est Counter-Strike, Half-Life. C'est le Garry's Mod. Ouais, c'est ça. En même temps, il dure 2 heures le premier. Bah d'ailleurs, dans le Garry's Mod, je me suis bien marré à essayer de me faire des petits scénarios tout seul dans ma tête, tu vois, en plaçant des objets random n'importe où. Mais joue à Portal Stories. Une petite ville. À quoi? Portal Stories. Il y a
C'est un mode gratuit sur d'autres histoires de Portal. D'accord. Tu joues à, tu joues l'ancien, l'ancien Portal en fait. Avec le mec qui te dans Portal 2, t'as un mec qui parle dans les années 60. Ouais. Ouais. C'est, bah, c'est lui qui te parle en direct dans Portal Stories en fait. Okay. C'est un truc, c'est pas, c'est fait par des joueurs. Ouais. Ok, ouais, ça. Et c'est bien poussé hein, parce que. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait parler. Red. Non, je laisse. Mais il me semble que. Vous m'avez vexé, je ferme ma gueule. Pour ce qui concerne Portal, en tout cas, il y a plein de théories vis-à-vis de, des interactions avec Half-Life. Et aussi. Ouais, l'univers partagé Steam. Enfin, ouais, Valve. Valve, puis. Même plus largement vis-à-vis. Moi, ça me semble intéressant le scénario Team Fortress. Ouais, mais après, c'est un peu la théorie d'univers partagé, quoi. Oui, non, mais même vis-à-vis uniquement de Portal. Un cube compagnon en forme de. Il y a un cœur dessus, là. Ouais, les compagnons cubes. Il y avait une théorie comme quoi c'était le cadavre de quelqu'un qui était à l'intérieur. Ouais, voilà. Ouais, là ça devient un jeu. Mais c'est bien ce hors champ, ce en plus que c'est ton imagination qui le pousse. C'est vraiment du hors champ. Qu'est-ce qu'il y a dans le cube compagnon? Et moi, je crois qu'elle était issue d'une BD. En fait. Ah, c'est possible. Mais dans les ils en parlent. Il y a GLaDOS à un moment qui te fait peur avec ça, mais pour elle, c'est que de l'humour. Mais toi, tu sais pas. Ouais, t'es là, tu jettes le cube dans la lave, t'es là, t'es trop triste, et c'est ton compagnon et tout. Elle arrête pas de le dire que tu l'aimes, ce gameplay. Ah ouais, c'est ça. C'est ça aussi, t'es poussé à l'aimer en fait. Le scénario te pousse à faire ce gameplay là. Mais le truc, c'est que. Moi, je suis d'accord que, bon, bah, il y a peut-être un cadavre dans le cube compagnon, what the fuck, ce que tu veux. Mais je voudrais pas d'un jeu, d'un Portal 3 préquel, qui t'explique, oui, il y a bel et bien un compagnon. Ah ouais, ça serait horrible. Ça, ce serait nul. Horrible. Pourquoi justement, c'est ce qui se passe en ce moment, entre la licence Alien et Prometheus. Bah, tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé avec Cube. Et Cube, ouais, Cube 1 était génial, Cube 2 était bon, mais un peu moins bien. Et Cube 3, t'as essayé de t'expliquer ce qui se passait dans le cube. Et c'était dégueulasse. Et là, mais c'est le problème des préquels dans le cube. Ouais. Les préquels, c'est de la. Par exemple, en ce moment, c'est vraiment dans l'actualité, c'est Alien le 8ème passager, qui a eu Alien 2, Alien 3, Alien 4, donc on connaît tous. Il va y avoir un Alien 5 de d'Alfonso, pas d'Alfonso, de mec qui fait District 9. Mais comme ça déjà expliqué, du coup, t'en as les couilles maintenant. Ouais, District 9, ah putain merde! C'est comment? Qui fait Elysium et Chappie. Neil Blomkamp. Merci, monsieur Soulo. Et ben, il y a également Ridley Scott qui fait Prometheus. Et il a dit, ben, normalement, il y a Prometheus 2 qui est en route. Oui. Il a dit à Ridley Scott, il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, au moment où on fait ce podcast, qu'au final, il n'y aurait pas de lien avec la licence Alien dans Prometheus 2, mais peut-être dans le film 3 et 4 de Prometheus. Et qu'au final, la licence Prometheus va rejoindre la licence Alien à la fin, grâce au 5 et au Prometheus 3 ou 4. Comment faire du fric? Mais surtout, Prometheus lui-même donne encore plus d'intrigue que l'Alien, et moi, c'est ce que je préfère. J'aurais jamais kiffé un Prometheus qui dit « Bah, en fait, c'est un mec qui est parti, il avait ce petit chien dans le vaisseau, et puis voilà. » Ça, ça aurait pas fait kiffer du tout. Au final, moi, j'aurais vraiment ne pas aimé avoir Prometheus et laisser un Alien le 8ème passager vide de sens et avec des putains de mystères que t'es tout seul à te dire « Ouais, mais le xénomorphe, la brume bleue autour des œufs, c'est pour pas qu'ils éclosent tout de suite » ou un truc dans le genre, tu vois. Ouais. Et ça c'est bon. C'est pourquoi les gens veulent des réponses à ce moment-là? C'est débile, enfin. Pour moi, c'est débile. Mais parce que maintenant, tu sais, on tire tout comme ça, tout fait, et du coup, les gens, ils se posent même plus les questions. Je sais pas si c'est de la faute aux gens, ou plutôt de la faute à ceux qui veulent refaire des films. C'est la faute à la société! C'est ce monde-là! Ça se trouve, les fans du film n'ont rien demandé. Ils apprécient le film pour le même, et on leur ressort un film, et ils en veulent pas. Bah, c'est comme Blade Runner 2. Pourquoi faire Blade Runner 2? En général, moi, j'ai pas envie. Ils le font en ce moment. Il y aura Harrison Ford et Ryan Gosling dedans. Ryan Gosling. Mais c'est un bon acteur. C'est quand même un acteur. C'est un putain de bon acteur. Je pense que Red. Je pense que ce qui s'est développé aussi, c'est une certaine tendance des producteurs et des réalisateurs à vouloir faire du fan service. Si tu fais du fan service derrière, c'est mauvais. Ouais, mais c'est juste la petite anecdote qui va les faire aller dépenser un petit ticket au cinéma du coup. Parce qu'ils vont payer en même temps, ils vont pas kiffer, donc du fan service. Mais je pense que maintenant le problème d'Hollywood, mais là c'est un débat dans le débat, c'est que maintenant ils disent oh putain, on a pas d'idée de scénario, on va prendre un titre qui existe déjà, on va mettre un ils vont faire de la merde. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Pour moi, Hollywood n'a plus d'imagination. C'est comme l'histoire de. Des remakes et tout ça. T'as toujours eu des remakes et ça a jamais été une histoire de perte d'inspiration. C'est parce que c'est une réinterprétation, donc ça peut être quelque chose d'artistique. Voilà. Simplement, le problème pour moi, c'est la prequel en tant que telle. Le principe de la prequel, c'est de la daube. Pas tous.
Non, il y en a, pas tous, mais je suis quand même d'accord avec le chevalier. La façon dont ils le font en général. Le préquest de Dune, par exemple, en bouquin, est vraiment pas mal. Après, c'est un truc totalement. Mais un préquel de base, c'est pour te dire ok, au début j'ai laissé des mystères et que vous voulez pas tellement que je laisse des mystères, donc je vais vous donner une explication que je veux. Star Wars avec la trilogie. Putain, Dark Vador, on aurait trop. Mais le lien dans Dune et la préquel n'est pas direct. Il y a vraiment une grande distance entre le moment des événements du premier et la préquel. C'est vraiment une histoire à part. Tu vois, une préquel, ça peut donner une course de pod. Oui. Non mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont regardé d'abord Star Wars 4 puis 5 et qui ont appris que Dark Vador était le père de Luke, et les gens qui ont regardé le 1, 2, 3 qui se sont dit bah oui normal, Anakin Skywalker c'est le père de Luke Skywalker, c'est complètement legit, et ben t'as une part d'intrigue, de mystère et de rebondissement que t'es perdu total, et c'est dommage. Alors que par exemple le post-préquel ou je sais plus quoi de Borderlands. Ah, Tales of the Borderlands de Telltale. Voilà, où en fait, mais il ne t'explique absolument rien. Ah non, c'est pire encore, t'es complètement perdu. Ouais, tu sais pas ce qui se passe dedans. C'est un préquel parfait. C'est pas un préquel, c'est juste un univers. Ouais, c'est l'extension de l'univers. L'extension de l'univers. Ouais, passons à la suite maintenant. Bah, moi je l'ai fait comme un. Du coup, je définis pas ça comme un préquel, du coup. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Parfait. Dans le titre, il y a préquel. Donc pour toi, le préquel parfait n'est pas un préquel. Ouais, allez, on enchaîne. Greg, quel est pour toi le jeu qui a le meilleur scénar? Ouais, voilà. Alors je sais pas si c'est le meilleur scénar, enfin pour moi c'est un des meilleurs, c'est Baten Kaitos. Ouais, il est trop bien Baten Kaitos. Ouais, il va falloir que tu fasses un petit scénario. Il n'y a pas de scénario en fait. Alors, comment ? Il n'y a pas de scénario quasi. Non, c'est pas un scénario, c'est plus une histoire qui a vraiment une belle continuité, mais et c'est vraiment. Le jeu m'a séduit parce que. C'est vrai que là j'aurais beaucoup de mal à resituer l'histoire parce que ça fait quand même très longtemps. C'est pas un système de tour par tour avec des cartes Si. Quoi, bah, c'est du JRPG, hein, clairement, avec du gameplay bien à l'ancienne, avec un système de cartes. Mais le gameplay était sympa, mais pas affolant. Ouais. Et il était sorti sur GameCube. Oui, mais tu vois, le scénar était là, sans être là. C'est vraiment l'histoire qui donnait une continuité à l'intérêt du jeu. C'est-à-dire que, outre le scénar, qui était à intention un peu intéressant, l'histoire participait vraiment, l'univers, la direction artistique faisait un tout qui était, était ouf quoi. Et du coup ça, j'en garde un très très bon souvenir. Et bon, un petit deuxième jeu quand même, parce que là l'histoire était vraiment vraiment bien, c'était Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit sur Apple. Oh putain, il est ouf ce truc. Non, mais dans du JRPG, le scénar est super important dedans. Bah oui, mais voilà, pour moi c'est les deux meilleurs jeux pour lesquels le scénario dans lequel j'ai joué. Mais en fait là, je remarque que très peu de jeux ont des scénars. Bah des vrais, bah en fait je sais pas si on peut appeler ça vraiment du scénar. J'ai l'impression que ça concerne l'histoire, tu vois l'histoire, il y a le background derrière, il y a l'univers, c'est un tout. Le scénar c'est encore quelque chose d'à part je trouve. Ouais. Il y a vraiment ce qui participe vraiment, c'est l'univers derrière. Et le background quoi. Parce et que moi, du coup, ce que j'ai mis à la place, la ligne principale dans laquelle tu prends quand tu es en train de jouer un jeu. Donc, au final, comme on disait tout à l'heure, les choix que tu vas faire vont participer à l'univers du jeu dans lequel t'es quoi. Du coup, c'est pour ça qu'à la place de FF9, moi j'aurais des Limbo, que j'ai beaucoup. Oh, moi Limbo, j'ai envie de parler des jeux genre. Aucun challenge. Ouais, mais c'est pas ton tour. De passe ta peau. Non, de Fallout ou de. Ouais, mais passe ta peau quoi. Ouais, mais tu vois, ce genre de procédé narratif, tu vois, qui te force à avoir des choix. Et à créer ton scénar. À créer ton scénar. Est-ce que c'est bien au final? Parce que. Bah ouais, moi je trouve ça cool. Moi je trouve ça cool parce que du coup ça te dit, bah vas-y, choisis la façon dont tu veux jouer. Le principe d'un RPG, enfin en jeu vidéo, c'est que la trame principale, tu peux en avoir rien à foutre. Un JRPG ? Non, un RPG occidental. Un RPG, ok. Genre un Skyrim, un Fallout, la quête principale, mais tu peux en avoir. C'est toi qui fais ton histoire quand tu joues. Ah ouais, c'est ça, et je me dis, tu vois. Regarde, Nicolas, il a jamais fini. Fallout New Vegas, j'ai pas réussi à le finir. À chaque fois, j'en chie, je sais pas pourquoi. Je suis jamais allé à l'enquête. Tu t'en bats les couilles de la quête principale. Tu comprends que la radio, c'est un. Tu te balades dans l'univers, tu fais des quêtes secondaires. J'ai jamais vu ça, tu fais même que des quêtes secondaires. C'est l'univers, complètement. C'est l'univers, le background qui fait le jeu, quoi. Le final, le sonar, tu fais. Skyrim, j'y ai joué en long, en large et en travers. J'ai jamais fait la quête principale. Ouais, j'en ai rien à péter de la quête principale. Mais même les quêtes secondaires, au pire, tu arrives dans un village, tu démontes tout le monde et puis tu te fais tout ça. Par exemple, moi je peux plus aller dans la. Là, c'est un gros connard, il arrive et il bute tout le monde. C'est moi ça. Je peux plus aller dans la ville des nains. Je peux plus aller dans la ville des nains, ma tête est mise à prix. C'est quoi ce bordel? Pourtant, j'ai rien fait, j'ai juste poussé une madame dans le lac et elle est morte. On peut pas dégommer les enfants, ce jeu est nul. C'était un mode. Allez, il reste plus que deux personnes, on va continuer comme ça, on va pouvoir passer sur aux conclusions.
conclusion et le gros du débat. Non. Valéria, c'est quoi pour toi le jeu vidéo qui a le meilleur scénario? Mario Party 8. Super Smash Bros. Mario Party 7. Alexandre Lederman 8. Non. La passion mode. Chut. Ah, c'est dégueulasse. Niveau de misogynie. Non, arrête. On va laisser Valéria parler. À peu près comme ça. Bah, vrai, je joue pas assez beaucoup depuis que j'ai tapé. Mais je me rappelle que le jeu dont j'ai beaucoup galéré, c'était Zelda. Ah, d'accord. Mais Zelda, c'est un jeu. Le scénario est interchangeable avec le gameplay. Quoi? Comment ça? Vas-y, explique-toi, explique-toi, Simon. Tu prends Zelda 1, 2, 3. Le scénario c'est le même? Non. Non. Ah non. Non, non, non. Ah non mec, la ligne, pas du la tout. Ligne directrice c'est la même mais pas le scénario. Non, regarde. Le 1 faut sauver la princesse, le 2 faut sauver la princesse. Non, ah non, même pas. Ah, le 2 faut pas sauver la princesse hein. Non, faut tuer la princesse. Non. Faut la violer. Faut la violer. Tu lui donner un enfant. Tu la baises et tu pars. Tu lui donner un enfant et un héritier au royaume d'Hyrule. Le gameplay est toujours le même, c'est juste l'univers qui change. C'est l'univers et le scénario. Oh, le gameplay il change vachement. En fait, mis à part quand tu dois défoncer des coups pour avoir des putains dans les yeux. C'est un autre jeu. Je comprends pas la question. Non, mais c'est. Le gameplay a vachement changé. T'as raison, Valéria. Non, ta réponse c'est bien. Ta réponse c'est très bien. C'est juste que pour moi, Zelda. Ils sont sympas parce que c'est une meuf, c'est tout. Non, c'est pas ça. C'est nul. Elle a raison. Zelda, c'est un scénario efficace. Les jeux de la licence Zelda ont un scénario efficace. Le premier, je l'ai fini. Le 2, je l'ai fini. Elle est toujours passe. Parce qu'ils ont tous un, ils ont tous un gameplay différent aussi. Mais, ouais. Ouais, mais oui. Le gameplay, c'est souvent le même. Non, 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 je suis pas d'accord. Il y a des mécaniques différentes. Il y a des mécaniques différentes. Si les mécaniques... Oui, mais les mécaniques font partie du gameplay. Si les mécaniques sont différentes, le gameplay est différent. Par extension, c'est obligatoire. Même s'il y a des, parties de gameplay qui restent les mêmes au travers des jeux, puisque c'est une licence qui est connue. Donc le mais t'as surtout une en termes de licence, par exemple, bon, c'est un exemple de merde, mais tu regardes Assassin's Creed, le gameplay, c'est le même depuis 10 ans, quoi. Donc, et c'est bah, juste qu'il rajoute la possibilité de siffler, tuer dans un coup de foin. Bon, Zelda, c'est la merde. Zelda, t'as surtout une différence entre les Zelda 2D et les Zelda 3D. Sinon, c'est sûr. Après, regarde Hyrule Warriors, c'est un Zelda, pourtant c'est un vite bémol. Ouais. Non, c'est Hyrule Warriors. Hyrule Warriors, il a pas écrit Zelda. Si, c'est écrit Zelda. C'est Zelda Hyrule Warriors. Zelda Hyrule Warriors, mec, c'est fait partie de la licence. Alors pourquoi ça s'appelle Zelda à chaque fois alors qu'en fait on a rien à foutre de la princesse? Parce que c'est la légende de Zelda. C'est l'histoire de Zelda. Le premier Zelda, le tout premier Zelda qui était tout pourri, il est. Ah oui, c'était une honte. Le personnage principal c'était la Zelda, c'était Zelda vraiment. Et dans le jeu, tu pouvais jouer pendant un court moment Link, qui était un perso que les gens ont trouvé vachement plus charismatique. Et donc au final, tout le monde faisait ouais, Link. Et donc au final ils ont les persos principaux des Zelda d'après, ça a été Link parce que c'était plus cool, mais les jeux sont restés Zelda parce que la licence était Zelda et qu'ils n'avaient pas changé. Et du coup c'était quoi le principe du premier Zelda T'avais la meuf, elle avait une épée, elle pouvait jeter des sorts. Et c'était... Bah c'est pareil. Parce que tu peux pas dire que Link il est charismatique non plus. Il a un bon c'est un gamin hyper charismatique. C'est un gamin blanc avec un chapeau pointu qui se balade et Un ocarina. Et un bidonnier. Et Excalibur. Ça se voit pas. Et un grappin. Et coupe des orties pour choper des diamants. Il utilise une putain de feuille comme parachute. C'est Zelda. Déjà il est blanc, il a les yeux bleus, il a les oreilles pointues. Mais rien à rien. Les japonais sont des nazis. Bon allez, allez, allez. Calmez-vous. Alerte au gogol. Ça tue le montage. Moi quand j'étais très drôle. Alerte au gogol. Chut. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Simon, S'il vous plaît. Simon Le Borgne, tu vas nous parler du jeu qui pour toi a le meilleur scénar et ne cite pas Grim Fandango, s'il te plaît. Non, bah, moi ça va être. Flo, Zach. Ça va être très Potemkin du coup. Il y a la trilogie de Runaway que j'aime beaucoup. Mmh. Oui, ils sont bien. Ça, c'est des très bons jeux. Ouais, et les Siberia aussi. Les premiers. Tous les travaux de Benoît Sokal, j'aime beaucoup. Et tu peux nous en citer quelques-uns? Les deux Siberia, il y a le troisième qui arrive. Il y a la Merzone. La Merzone qui est super. Paradise, les noyers. C'est des point and click. C'est des point and click. Mais c'est bien. Et les Mists.
Myst. Oui. C'est le même mec qui a fait ça. Ouais. Franchement, tu fais une séance diapo avec tes grands-parents, c'est pareil. Séance diapo, ouais. Non, non, mais avec Brigitte, il y a un sapin. Là, tu vois, on savait pas où il fallait passer, alors on a ouvert un livre. Et là, on a découvert un super point de vue sur la montagne. Ça fait mal. Il y avait une tête de Bumaco dedans, il nous a dit, ouais, il faut aller trouver les engrenages. Moi, j'ai ouvert un bouquin, mec, il s'est dit, c'est Cyrus, c'est toi. Je te vois pas, ça capte pas, ça capte... Ramène-moi des pages, s'il te plaît. Et du coup, je suis allé me promener dans la forêt, et il y avait des maquettes de bateaux. Je peux monter la maquette de bateau, après je peux aller dans un bateau, avec un livre, je suis allé dans le bateau, et j'ai trouvé des pages. Après le mec, il m'a dit, oui, mais moi des pages dans le livre. Et j'ai ouvert le livre, après il m'a enfermé dans le livre, et il m'a dit, t'es cacon. Et c'est normal. Myst, selon Simon. Merci. Du coup, c'est là qu'on voit que le scénario est super important dans Myst. Ouais. Myst, ce qui est plus, enfin, le principe de Myst, c'est l'exploration. C'est les énigmes. C'est l'exploration. Tu découvres un univers. C'est des énigmes. Tu lis des livres qui te permettent de découvrir. C'est les énigmes quand même. Et comment fonctionne le monde dans lequel tu évolues. Oui, mais et les énigmes aussi. Voilà. À la fin du bouquin, t'as la solution. Alors en fait, il faut tourner le levier de gauche et celui de droite et celui du milieu 3 fois. Il faut apprendre le code. Oui. On connaît 4, 4, 2, 1. Non, bon, ok. Et si la grand-mère traverse le rond, est-ce que tu la renverses? En fait, Myst, c'est un. Enfin, il y a combien de jeux? 5 jeux, et en fait, bon, le 5 est pas super dispensable. Il est limite nul à chier. Mais en fait, je pense que le 4, c'est mieux. C'est celui qui a un vrai scénario. D'accord. Ok. Bon, le tour est terminé. Ouais, le tour de table est terminé. On va vraiment pouvoir passer au débat. C'est des trucs horribles, ça fait 2 heures. L'intro est terminée. Non, le truc, c'est que. On pose quand même. Non. Le Q quiz. Oui, ma cocaïne. On a regardé des jeux qui ont un bon scénario. Mais est-ce que maintenant les scénarios ont servi au gameplay? Je veux dire, le scénario de Call of Duty est efficace parce qu'il sert au gameplay de ce jeu. Mais voilà, il n'y a pas de scénario. Est-ce qu'il sert au gameplay? Mais bon, il y a quand même des scénarios dans le processus. On va prendre un autre exemple. Rogue Legacy. Le jeu où tu fais, c'est un peu un platformer et un beat'em all à la fois. C'est un roguelike surtout. Mais quand tu meurs... C'est un roguelike. Mais quand tu meurs, tu te réincarnes en l'héritage de ton personnage, donc en ton fils. Héritier. En l'héritier, oui, merci. On l'héritier de ton personnage. Des fois, c'est des femmes, hein. Donc, au final, le scénario... Ouais, c'est des femmes. S'il te plaît. Le scénario qui est assez basique, c'est aller tuer le mec qui a tué le roi. Aller tuer le traître. Et ben au final, le gameplay fait bel et bien une partie inhérente du scénar, parce que quand tu meurs, tu es vraiment réincarné par l'héritier. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, le scénario et le scénar s'interagissent entre eux. Mais est-ce que d'autres jeux qui ont un scénar comme les FF, est-ce que le fait que le gameplay ce soit par exemple du combat tour par tour, que tu puisses invoquer les démons des chevaliers du Zodiac, est-ce que ça fait partie du scénario? Meilleure attaque du monde. Est-ce que le scénario te dit, oui, tu peux utiliser l'attaque du Zodiac, et justement tu dois l'utiliser dans ce combat-là pour le finir? Non. Donc au final, le scénario des FF, aussi bien soit-il, n'influent pas sur le gameplay qui est du tour par tour. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pas sur tout du gameplay. Mais sur donc, partie de gameplay. FF, et bah, je suis obligé de dire que le gameplay, ils l'ont collé par-dessus un scénario. Voilà, tous les JRPG sont comme ça. Ouais. Il y a parfois des scénarios originaux, comme Bakuten Kaitos avec les cartes, mais au final, le scénario et le gameplay sont à part. Au final, Mario, c'est la même chose. Tu dois jumper dans le gameplay, mais le scénario c'est récupérer la princesse avant qu'elle se fasse violer. Non mais là, s'ils ont collé un scénario sur le gameplay, c'est le phénomène inverse. Mario, ça devrait s'appeler le syndrome de Stockholm en fait. Oui, oui, oui. c'est très drôle ce que tu dis parce que finalement, on va écouter Naïm. Ça fait écho à la très bonne évolution d'Assassin's Creed au début, entre le premier, le deuxième et le troisième. Nul, le 3. Non, le 3ème. Pas le numéro 3, Brotherhood. Le 3ème, dans la suite. Brotherhood est trop bien. Brotherhood, attends. Si, il est très bon. C'est lui qui est dans Rome. Attends, oui, non, j'ai dit de la merde. Le 2 et Brotherhood sont vraiment bien. C'est la révélation. Et en fait, dans Brotherhood, justement, il y a un petit plus. C'est que quand tu fais des missions, t'as des objectifs annexes qui changent ta manière de jouer. Et là,
ça rend vraiment le truc intéressant parce que t'as vraiment cet aspect infiltration que tu pouvais mettre un petit peu de côté c'est avant. Comme, Dishonored. C'est comme Dishonored. Dishonored, tu choisis vraiment la partie auquel tu veux jouer. Okay, tu veux jouer. Tu peux jouer. Fais par français. Mon jeu préféré, j'achète. Dishonored, tu peux tuer tout le monde. Tu peux passer en sneaky et tuer tout le monde de dos sans qu'il y ait vraiment une grosse baston. Tu peux passer en sneaky et tuer personne. Et tuer personne. Mais est-ce qu'au final, le scénario t'indique et t'influence sur le gameplay pas forcément c'est ta façon de jouer qui te dit il y a des bonnes fins et des mauvaises fins il y a une bonne fin et une mauvaise fin c'est selon ton point de vue. Le mec du bateau là il te trahit si tu tues tout le monde je sais pas j'ai pas fini le jeu. Moi je l'ai fait en mode connard il fait ouais comme t'étais méchant avec tout le monde eh les mecs il est là ouais, il est là il jette une putain de fusée éclairante bâtard moi je l'ai tabassé. Moi je me coupe la tête aussi. J'espère en tout cas que le 2 sera à la hauteur de 1. Oui, mais de, il a l'air de déchirer par contre. Enfin, le gameplay a l'air de déchirer. On a juste un trailer pour le moment. Ouais, mais le trailer, on a fait. Faut faire confiance à Bethesda. Je suis en train de le faire en mode fantôme d'ailleurs, c'est ultra dur. Ouais, fantôme ça va être trop hardcore. C'est ultra dur. Moi ce que je m'amusais à faire, c'était enchaîner avec les jumps, faire le plus de kills, de combos possible. Genre sauter sur les jumpers, j'étais à part, tout à l'heure comme ça. Mais genre là, je suis en train de jouer en fantôme à Dishonored et par exemple, à un moment, tu rentres dans une aire de jeu. Et fallait que je fasse un truc, fallait que je... Oui, c'est quoi ça s'appelle un objectif. Oui, j'ai pas l'habitude. Il y a une zone comme ça où tu dois buter 3 mecs. Et ouais. En fait, du coup, je cherchais pour chacun des mecs comment faire en sorte de pas le buter et de réussir la quête comme ça, parce que normalement, pour chaque mec que tu dois buter, t'as une option pacifiste, quoi. C'est ça qu'il faut faire en mode fantôme. Et parce qu'en mode fantôme, faut savoir, faut même pas se faire repérer. Mais c'est ça. Ouais, c'est trop chaud. C'est ça qui est galère. Non, je crois qu'en mode fantôme, t'as le droit de tuer des victimes. Personne. Et tu te fais repérer jamais. En fait, en gros, t'es un fantôme. Le problème, c'est que dans ce truc-là, t'avais ces trois foutus mecs. Il y en a un que tu peux sauver de manière legit. Et les deux autres, en fait, il n'y a. J'ai passé mes 2h30 à me prendre la tête là-dessus. Il n'y a aucune façon de les sauver. En fait, fallait retourner dans la zone d'avant, parler à Slack Joe. Et moi, j'avais pas parlé à Slack Joe. Du coup, je me suis fait ken un quart du jeu. Parce que à un moment avant le jeu, j'ai pas fait un truc qu'il fallait faire. Il a fallu que je rechute. Parce que le jeu te pousse à l'exploration aussi. Le gameplay te pousse à l'exploration. Tu peux y aller, quoi. Le gameplay de joueur en fantôme te pousse à l'exploration, mais pas le scénario. Le scénario, tu fais comme tu veux. Le scénario, tu peux faire absolument comme tu veux, mais par exemple, il y a quand même des runes et des machins comme ça à récupérer. Oui, ça, je suis d'accord. Par exemple, si tu joues en barbare, d'ailleurs, t'es quand même bien obligé de récupérer les runes de combat, sinon tu meurs quand même hyper facilement. Et les runes de combat, elles sont bien cachées. Mais si t'as un peu skillé, franchement, ça passe. Ça je suis d'accord. Mais surtout, t'as le blink, c'est complètement. Mais ça, c'est le gameplay qui t'influence là-dessus. C'est pas le scénario. Le scénario, il te permet de jouer de la manière que tu veux. Oui, tout à fait. Ça serait bien, c'est une bonne idée. Mais au final, le scénario et gameplay, toi, tu pourrais très bien mettre le gameplay de Dishonored sur un autre jeu. Je suis pas d'accord. Le truc dans ce. C'est un clairement, dans clairement, clairement, clairement. Clairement, tu pourrais mettre dans Metal Gear. Rogue Legacy. Il n'y a aucun intérêt. Rogue Legacy, tu pourrais mettre le scénario sur n'importe quel autre jeu, mais tu devrais avoir quand même ce principe de roguelike, de quand tu meurs, tu dois prendre un héritier. Le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est tous les jeux triple A. Batman, Assassin's Creed, Max, c'est le même gameplay, c'est juste pas le même. Regarde, c'est simple, pour Batman c'était stylé parce que tu devais appuyer sur un bouton au même moment pour que ça fasse bing bam boum. C'était la révolution, c'était la surprise et tout. Mais surtout, il faut se remettre dans la situation, en 2008 les jeux commencent à faire sa place. Le système de combat était excellent. C'est un bon gameplay. Ouais, mais il est excellent pour un Batman. Il est excellent pour un Batman parce que c'est vraiment le combat comme un comics. Tu vois, tu pourrais voir les pim bam qui sont écrits, les grosses étoiles, les onomatopées. Tu pourrais également. L'ambiance de Batman. Mais oui, mais surtout, c'est qu'à chaque fois que tu dois appuyer sur le bon bouton pour riposter, tu vois vraiment la différence des cases. Mm. Si t'es près d'un mur, il va le défoncer avec un mur. Si t'es près d'une borne électrique, il va utiliser la borne électrique. Et t'as un signe visuel aussi. Qui fait vraiment comics, onomatopée. Mm. Ça, d'accord. D'ailleurs, il est enlevé quand tu joues en mode hardcore. Ouais. Oui, ce qui est beaucoup plus intéressant. Mais pourquoi, dans Mad Max, alors que j'attendais beaucoup ce jeu, j'ai eu la douche froide quand j'ai vu que c'était le même gameplay que Shadow of Mordor ou Batman, je me suis dit, merde, on aurait pu avoir un gameplay beaucoup plus original. Shadow of Mordor, c'est un peu plus original parce que t'as les mécaniques. Parce que tu dois ramasser des fleurs. Sur un peu. T'as toute la mécanique derrière. J'ai fait un bouquet pour moi. Il y a des trucs super stylés. De prendre un esprit, ça je suis d'accord. De l'arc.
de tout le bordel. Ouais, de prendre les esprits, ça je suis d'accord. C'est cool, genre tu TP sur les mecs et tout. Enfin, moi j'avais joué aux deux tours sur PlayStation et je peux te dire que là t'envoyais des combos de ouf. Le meilleur c'est le retour du roi. Le retour du roi, qu'est-ce qui est dur, le retour du roi. On regarde maintenant. Je sais que c'était de la merde, mais après j'étais petit et je kiffais trop. Moi j'étais petit, j'avais ce jeu, j'ai regardé en face, j'ai dit c'est de la merde. Moi j'ai joué, j'étais trop content. J'arrivais pas à finir les niveaux parce que c'était mal foutu. Ouais, moi aussi. Quand même, je m'en fous. Putain, pourquoi là c'est bouché, enculé. Ok, quand tu regardes Batman, t'es d'accord, je suis d'accord que ce gameplay, ce système de combat est génial pour Batman. Mais pour Mad Max, c'est pas du tout le même gameplay, c'est un monde ouvert. Et franchement, comme et pour Mad Max, est-ce qu'on aurait pas... Moi, pour Mad Max, j'avais envie de voir un jeu à la Burnout, tu vois. Ouais. Limite. Ouais, ouais. T'imagines, ouais, un bon Burnout à la sauce Mad Max. Mais pas que Burnout, tu vois, avec quand même le monde ouvert, quand même le fait que... Entends-nous, Warner. Entends-nous. Ce cri de détresse d'un mec. Peut-être plus un un truc genre tu tunes ta caisse, tu vois, genre bah, vas-y, tu mets des bouts de tôle de tous les côtés. Ah, non, pas vraiment en e-sport fit. Non mais Warner, un GTA Mad Max. Warner, pour Monsieur Sulu, faites un jeu sur Flash, bim ta voiture grâce à Mad Max. C'est ça, tout, c'est juste ce que j'en ai faux. En fait, pour Mad Max, c'est juste ça qui est genre. C'est des pics et des tôles. Genre, juste envie de mettre des bouts de pics, des bouts de tôles sur une caisse et puis l'envoyer en mode vas-y, bah je vais la détruire. Explose sur un camion citerne. Un moteur qui est vachement apparent, ce qui est complètement débile au-dessus du capot. Dans le genre de jeu dont le gameplay suit l'intrigue, il y a quand même Borderlands, la suite des Borderlands, ils sont parfaits. Je sais pas faire. Ils sont parfaits dans le sens où le gameplay est tout fait pour que ce soit complètement bourrin. Quand tu meurs, t'as un système d'assurance qui te re-téléporte au checkpoint, mais c'est dans le scénario quoi, parce qu'en fait t'as payé une super grosse assurance. T'as certaines armes, c'est complètement débile, au lieu de les recharger, tu les jettes sur des grenades, elles explosent. Et c'est fou quand même dans Borderlands, comme le scénario, en fait, quand tu dis que tu vas jouer à un jeu en coop, tu te dis pas le scénario va être ouf, tu vois. Et dans Borderlands, ça marche super bien. C'est impeccable. Le scénario, il est complètement Bon. Et je crois que de toute façon, Borderlands, c'est vraiment le jeu qui est fait pour jouer en coop. Tu peux pas y jouer tout seul. Si, moi j'y joue tout seul. Ouais, tu peux le faire, tu peux le faire. C'est chiant. Dans le 2, c'est carrément. Ouais, justement. Mais tu vois, moi, un truc que je trouve dommage, c'est que je vais revenir dans Batman, mais tu vois, Batman, normalement, il a tous ses gadgets avec lui. Et là, dans le scénar, on dit, ah non, mais ils les utilisent tous. J'aurais bien besoin de mon grappin. Alfred, tu m'amènes mon grappin, s'il te plaît. Nouvelle mécanique de gameplay, le grappin. Quand tu vas défausser depuis le début, tu fais putain, mon grappin. Non, mais ça, c'est vrai, mais c'est bien aussi parce que t'as une courbe d'apprentissage. Ils te donnent des gadgets au fur et à mesure. Ils sont mal amenés. Mais si t'es gentil. Mais je trouve que c'est quand même frustrant que tu sois dans une zone et qu'il te dit ah bah là il faut, tu sais pertinemment qu'il faut le grappin et tu l'as pas. Mais comme c'est pour récupérer une putain d'énigme du sphinx, t'essayes quand même, mais t'y arrives pas. Mais il y a des jeux que j'aime pas du tout non plus, c'est genre Darksiders. Tu commences le jeu, t'as tout depuis le début. T'es fait ouais putain, je suis le maître du monde. Tu fais la première mission, tu fais bon bah t'enlèves tout, mec, tu repars à zéro. Ouais, c'est ça, ouais. La God of War. Assassin's Creed, le premier. Ouais, aussi. Ouais, c'est super frustrant. Ouais, parce que t'arrives dans le jeu, tu fais qu'est-ce que je fais, je peux faire quoi, qu'est-ce que je fais, et. Mais encore, tu vois, God of War, il y a plein de rebondissements qui poussent à écouter l'intrigue. En fait, c'est une histoire. Est-ce qu'on peut avoir un scénario dans un MMO? Oui, FF14 ma gueule. Secret World. FF14, ouais. Secret World, ouais. Et là, c'est dur. C'est dur. Skyforge, on vient de jouer à Path of Exile hier soir. Bon, il on pas a rien eu à mettre. Non, arrête. On a rien eu à mettre des textes. Mais si tu aimes l'anglais et si tu aimes lire, moi j'ai lu. Ouais. J'avais commencé, j'ai bien écrit. C'est pas un MMO, ça reste un hack and slash, pas ça fait ça. C'est un MMO. Oui, c'est un MMO hack and slash. Mais on est quand même arrivé à un moment où on a trouvé un capitaine de bateau complètement inconnu qui fait genre trouver ma fille. Puis quand on a trouvé ma fille, c'est pas ma fille. Puis ça se transforme en fantôme et il essaye de niquer la gueule. Non. Ah, c'est quoi cette histoire? C'est justement parce que vous avez rien lu. Tu peux se délire. The Old Flame qu'on devait trouver, c'est pas du tout ça. C'est une torche. C'est une torche de couleur verte. Mais pourquoi ça ressemble à une meuf qui était par terre aussi dans l'enfer? C'est un gros pervers. C'est ça la torche de Green Lantern. Mais alors pourquoi moi j'avais des sprites de meuf qui étaient par terre, genre esclaves, et qui partaient après quand on allait les récupérer? C'était quoi cette histoire? Moi j'ai vu ça. Moi j'ai vraiment vu. Dans le cimetière des bateaux, moi j'ai vraiment vu une fille qui était recroquevillée. Et j'ai cliqué dessus, elle s'est cassé et là il y avait la whole plane.
Ah si, MMO et scénario, j'ai envie de dire Star Wars The Old Republic. Vous voyez sous ma vraie apparence, et en fait c'était un... Surtout que c'est moi qui ai pris l'agro, quoi, j'ai failli mourir. Ouais, mais c'est un vieux capitaine dégueulasse qui cherche à mourir en fait. Et donc là, son bateau disparaît parce que c'est un bateau fantôme et il nous attaque, c'est tout. Mais fallait lire les choses. Et fallait pas croire que c'était une meuf dans une... Bah pourquoi j'ai vu une fille, moi, dans le... Parce que tu vois des filles partout. T'es en manque, mon gars, ça fait un an. Ça rejoint le débat de tout à l'heure. Calmez-vous. Dans les MMO, si compte pas le plus, c'est pas forcément les quêtes que tu vas aborder, c'est la communauté. C'est plus l'univers persistant qui va contribuer au... Mais comme un univers partagé. Et tu peux citer notamment... Fais papa, Zach. Tu me vas très bien. Je peux situer notamment Guild Wars 2 qui a un univers persistant, des événements qui influent vraiment sur comment va évoluer le jeu. Par exemple, t'as la capitale qui s'est fait détruire, t'as eu une l'Arche année... L'Arche du Lion. Ouais, l'Arche du Lion qui s'est fait détruire après une année de scénario sur une rébellion qui se crée, des gens qui... Des méchants qui ont... Ah, mais je trouve ça limite un peu fictif en fait sur Guild Wars. Non mais tu regardes EVE Online. Sur Guild Wars 2, le scénar, j'en ai juste rien à foutre. Quoi. Tu regardes EVE Online, la communauté crée le scénar. Par contre, EVE Online, je suis d'accord. Sur EVE Online, par contre, ça c'est vraiment... Willy Dangerous, tu fais ton scénar. En fait, sur EVE Online, il y a eu la même... Par contre, que ce soit sur EVE Online ou Willy Dangerous, c'est le gameplay te permet de développer ton scénar. À ce moment-là, c'est l'inverse. On n'est plus dans le scénar, développe le gameplay. Après, dans Willy Dangerous, c'est l'univers. Vu que ça se passe dans l'espace... Là, plus bas. Arrête. Je veux me charger. Ça va bien. Moi, j'ai pas envie de bouger. Dans Elite Dangerous, c'est vu que t'es dans l'espace, tu peux peut-être plus facilement imaginer un scénario, mais je suis désolé, Elite Dangerous, ça reste un simulateur comme Agriculture Simulator. Ou tu peux t'inventer des histoires dans Agriculture Simulator. Excuse-moi, Elite Dangerous, c'est vraiment la simulation. C'est un simulateur de l'espace. C'est ça. Tu passes 24 heures à farmer pour avoir un vaisseau un peu mieux. On va conclure, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on reste sur ce thème. Le scénario influence sur le gameplay. Oui, pour certains jeux. Le gameplay influence sur scénario. Oui, pour un certain jeu. Est-ce que les deux se complètent? J'ai envie de dire oui, parce que au final. Et il y a des jeux très bien qui n'ont pas de scénar aussi. Oui. Il y a des... Mario. Tetris. Oui, Tetris. Tetris, c'est un très bon jeu, ça n'a pas de scénar. Mais il y a la notion de Snake. Counter-Strike. Mais voilà. LOL. Si on devait au moins donner. Alerte Google, les enfants. Alerte Google. Ne rigolez pas. Dota 2. Ne rigolez pas. Dota. Laissez-le dans sa merde. Si on devait. League of Legends. Arrête, s'il te plaît. C'est super chiant. T'es pas drôle en plus. Si on devait donner au moins une conclusion, c'est que, mine de rien, le scénar. On dirait une assemblée de morts vivants. Ce podcast est sponsorisé par Project Zomboid. Zombie versus plante. Du Dark Pampers aussi, quand même. Par le Poppers. Non, Pampers. Bon, allez, on finit là. Ouais, donc ce que je voulais dire, c'est que, mine de rien, le scénar, c'est toujours l'idée de base qui permet, même si le gameplay s'en éloigne, de se placer sur une idée de principe. Par exemple, si on reprend un FF. Parce que dans le principe de l'idée, dans le scénario tu es dans le futur où les gens peuvent avoir des mechas ou des bras mécaniques, tu as dans la FF7 le mec avec son bras mécanique. Là, son bras Gatling là. Quand tu tures le nez direct, c'est énorme. Oh, bah oui, c'est pour ça que c'est la radio, tu vois. Si donc voilà, c'est que, mine de rien, même si le gameplay ne découle pas du scénario, le scénario permet de commencer, en fait, une ébauche de gameplay. Pourquoi t'as posé la question au début si t'avais déjà la réponse? J'ai pas la réponse, mais elle m'est venue en même temps et il faut conclure ce thème. Je pense à l'opening de Fallout, tu sais, quand ils sont là. La guerre ne meurt jamais. Ouais, voilà. Ah, ils ont droit de tomber, tout ça, c'est voir l'intérieur. Ouais, puis c'est surtout que là, il se fait. Le podcast se fait long et il faut surtout passer au quiz. Jingle quiz! Tu veux quiz? Non. Il me manque ce cul. Ce cul. Oh, la transition de ouf. T'es...
Ouais. Alors, déjà, il y aura 14 questions dans ce quiz. T'as fait ça en 2 minutes dernière fois ? Ouais, c'est ça, exactement. Donc attendez, 2, 4, on est en un nombre impair. On est en nombre impair avec moi. On va splitter en deux, ici, là, deux, en face de moi. On va faire l'équipe A. L'équipe A sera composée de Monsieur Soulou, Greg, Valeria, Simon Le Borgne et le Chevalier Blanc. Moi, je veux pas. Et l'équipe Blé. L'équipe pâte. L'équipe saucisse. Non. L'équipe saucisse. L'équipe saucisse. Oui. Oui. Je dis oui. L'équipe B. C'est toi qui paye. L'équipe B sera. L'équipe B sera composée de Flo, Red, Nayem et Soul. Équipe A contre équipe B. Je vous explique les règles. Je vais donner une définition d'un jeu vidéo et vous allez devoir trouver le titre. C'est tout. Y a rien d'autre, y a pas de savoir si c'est une adaptation ou pas. Si c'est Pampor, c'est Call of Duty. Y a des questions comme ça. Je vais donner une affirmation. C'est un jeu de rapidité. C'est celui qui répond. Jeu de rapidité. C'est celui qui répond le plus vite qui a gagné. Vous êtes prêts? Question numéro 1. Dans ce jeu, on incarne un braconnier qui voyage dans les hautes herbes pour trouver des créatures. Pokémon, Duck Tape. J'ai entendu Pokémon. Mais bon, je pouvais accepter aussi Hunt Simulator si vous voulez, mais je donne un point à l'équipe B. Il y avait pas Hunter Simulator aussi. Hunter Simulator, j'aurais accepté. Duck Hunt. Duck Hunt, ouais, j'aurais accepté. Ça fait deux points. Non, je lui dis Duck Tape. Allez, question 2. Dans ce jeu, tu te balades tout seul dans un grand complexe. Non. Limbo. Non. On peut switch. Écoutez, on peut switcher l'arme pour faire un tir vertical ou horizontal. Train. Non. Et parfois. On tue des aliens dans des salles sans gravité. Dead Space. Non. Dead Space. Joli. Premier nul. Question numéro 3. Dans ce jeu, on peut tuer des crocodiles, des tatous. Far Cry. Des aigles. Et on peut manger des bananes. Mais je vais donner un point quand même pour Far Cry. Donc, il compte contre Trimaze. Ouais, c'est ça. Donc, il compte 64, c'est complet. Je donne un point à tout le monde. Allez, hop. Donc, il compte contre Return Frozen. Sur Wii U. Bref. De partout. Question numéro 4. Dans ce jeu, on contrôle un homme. Waouh. Mario. Avec une barbe. Avec des lunettes. Oh mon dieu. Et dans un monde post-apo. Steve. Non. Et il y a un flingue qui magnétise les objets pour les envoyer sur la Life. Je l'ai dit avant. Non, c'est Simon. On l'a tous dit en même temps. Je n'ai pas crié, moi, c'est pour ça. Ouais, j'ai entendu quand même l'équipe B. Non, j'ai quand même entendu l'équipe B. Ça compte pas. Je l'ai pas. J'ai quand même entendu l'équipe B. C'est bel et bien Half-Life. Non, non, j'ai. Allez, question numéro 5. Dans ce jeu, Sir Lee arrive à battre plusieurs boss avant de venger son roi. Rogue Legacy. Tué par le traître. C'est pour l'équipe A, ça. Medieval. 3 partout. Attention, question de rapidité. Un jeu de merde. Quel objet dit? Que la VT, c'est pas ça, c'est légit. J'en cherchais. Il y avait FIFA aussi. Allez, question 7. Dans ce jeu, on se retrouve sur un monde plutôt ouvert où on peut faire du delta plane. Far Cry. On l'a dit 12 fois. Du wingsuit. Ça revient sur le play. Monter un éléphant et tirer sur plein de gens. C'est Far Cry. C'est Far Cry 4 même. Question numéro 8, il y a plusieurs réponses. Dans ce jeu, il faut marcher dans le désert. Journée. Mais Mad Max aussi, j'aurais pu accepter. Journée, c'est bon pour l'équipe. Journée. Oui, par exemple, tu vois, il y a plusieurs réponses. Il faut marcher dans le désert, tu peux même Shadow of the Colossus si tu veux. Il n'y a pas de désert. C'est tellement vierge que c'est un désert pour moi, c'est le désert de Gobi, tu vois. Il y a Dofus. Il y a désert, il n'y a personne. De toute façon, Dofus, du moment qu'il y a marché, tu peux répondre. Oui. Il y avait quoi aussi? Fallout. Fallout, ouais, tu peux marcher dans un. Allez, vas-y, enchaîne. Allez, attention. J'ai Naughty Dog sur PlayStation 3. Uncharted. Ouais, c'est vrai, tu dois marcher dans le désert. Encore une question de rapidité. Dans ce jeu, faut tirer sur des gens en multi. Counter-Strike. Oh. Mais tu peux pas dire Call of Duty à chaque fois. Non, c'est moi. 5 partout. Mais le fou, non. Encore une question de rapidité, fatalement, il y en a plein. Question 10 déjà. Dans ce jeu, il faut d'abord poser une figurine sur un plateau. Far Cry, les Amiibo. J'ai entendu Skylanders. Disney Universe. Disney Infinity. Sinon, il y avait Lego Universe. Mais j'ai entendu Skylanders. Les Amiibo aussi, vous avez le droit de dire les Amiibo. Je crois que je l'ai entendu. Les Amiibo.
En temps normal, j'aurais jamais pensé. Allez, question numéro 11. Un jeu Zelda, on ne sauve pas Zelda. Link to the Breaker. On sauve pas la princesse Zelda. C'est Majora's Mask. Mais attendez, mais Soul, j'ai entendu qu'il a dit... Link to the Past. T'as dit ça? Oui. Ouais, mais j'ai envie de donner un point à tout le monde. Ouais. Majora's Mask, princesse, Link's Awakening, Majora's Mask, il n'avait pas. Majora's Mask, tu la sauves quand même, tu sauves la Terre, mais... Oui, voilà, à la fin, Zelda est intrinsèquement sur la Terre, mais... Genre dans Twilight, c'est qui encore? Parce que tu passes dans sa chambre, tu la vois, tu fais coucou et tu te casses. Comment tu vas? Tu veux rester dans le château? Oh, mais j'ai plus envie de te baiser depuis le temps. Ah non, parce qu'elle veut pas de toi. Je suis déjà tapé le loup. Non, non, sauf Dominish Cap, c'est sa copine. Quoi? Dominish Cap? C'est pas sa sœur Dominish Cap, je sais plus. C'est la grande copine. Nicolas. Oui, oui, je sais. Ce serait peut-être temps, mais bon, ce n'est pas une fin en soi d'avoir une copine. Hein, c'est vrai, tu peux avoir un plan cul. Peux avoir une main. Allez, question 12. Mais ça avoir un plan cul. Dans ce jeu, on contrôle une créature. Spore. Non. Qui gagne le pouvoir de ses ennemis. Oh, Spore. Megaman. Kirby, oui. C'est rond et c'est tout rose. C'est Kirby. J'ai envie de dire. Bah lui, il fait que d'avaler. Skyrim, ouais. Ah, Megaman aussi, ça marche. Mais Megaman, ça marche. Et Skyrim, ça marche, ouais. J'avais dit Megaman. Mais non, allez. Parce que t'es pas tout rose et tout. Question numéro 13. T'avales pas. Un jeu de course de voiture. De l'avant. Non, 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 non. De l'avant. Non, ta gueule. De l'avant Blizzard. Burnout. Un jeu de course de voiture de l'avant Blizzard. Quand Blizzard s'appelait encore Silicon Knaps. Synapse. Armageddon, peut-être. Carmageddon, non, c'est pas Carmageddon. Non, j'ai pensé aussi. Truc de rallye de merde. Là. Ah, donc développé par Blizzard. Développé par Blizzard avant. Non, mais je peux dire avant. C'est quand Blizzard s'appelait Silicon and Synapse. Putain, c'est juste. Un jeu de course de voiture quand Blizzard s'appelait Silicon and Synapse. Non. Jeu de voiture. Micro Machine. Non, non. Euro Truck Simulator. Non. Trackmania. Il y a le mot racing dedans. Le dernier mot, c'est racing. Racing ta mère. Car racing. Non. Everybody's racing. C'est un style de musique. Metal racing. Quoi? Non, c'est un style de techno musique. Techno racing. Rock racing. Metal gear racing. Pas tout à fait. Electro racing. Pop racing. Quoi? Rock racing. Non, c'est un. Car racing. Non, c'est pas tout à fait rock, c'est. Hard racing. Non. Rock racing. Non, c'est plus que rock encore. Metal racing. Rock racing. Non, encore. Metal racing. Non, encore plus que rock. Metal racing. Metal racing. Rock en entier. Le mot rock. Rock racing. Rock racing. Je donne un point à tout le monde. Camulox. Le dernier mot à la fin. Et enfin la question numéro 13. Disco racing. Non. Ah non, c'était la question numéro 13. La question numéro 14, c'est très simple. On va commencer. Alors, ouais, je dis. Les scores. Pour l'instant, on a 9 points pour l'équipe A, 7 points pour l'équipe B. Ouais, yes, on a gagné. Rien n'est perdu. Parce que cette question-là vaut 3 points. Non, forcément, c'est normal. N'importe quoi. À tous allez, les coups, c'est ça. C'est un défi. Ce podcast est truqué. Ce podcast est... C'est la dernière fois. Je t'avais donné un billet avant que tu viennes. Je le dis les deux, moi, c'est pour ça. On écoute le Nico. C'est la dernière question, c'est un défi. On va commencer par l'équipe A, puis l'équipe B, puis l'équipe... Non, l'équipe B, puis l'équipe A, puis l'équipe B, puis l'équipe A. Vous allez me donner un nom de jeu qui commence par la lettre A. Puis ensuite, un autre jeu qui commence par la lettre B, un autre jeu qui commence par la lettre C, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si vous n'arrivez pas à en trouver un, on passe quand même, mais vous donnez un point à l'équipe adverse. C'est pour ça qu'il peut y avoir 3 points. Et c'est pour ça qu'on peut en avoir beaucoup plus. On va commencer par l'équipe B. Vous allez... Non, tu ne te regardes pas sur Internet, tu fermes ton ordi. Je ne regarde pas sur Internet, je coupe Internet. Ferme ton ordinateur. Tu fermes ton ordinateur. Allez, vous faites un jeu qui commence par A et ce n'est pas E, machin chose, aventure, par exemple. Mais il faut trouver un jeu qui commence par A, vous avez le droit de vous concerter, mais il faut une réponse assez vite. Moi j'en ai un. Moi aussi j'en ai un. Mais vous n'avez pas besoin de faire A, vous avez besoin de faire B. Adventure, il y a un jeu Adventure. Adobe Reader. Ce n'est pas un jeu. Adobe Premiere non plus, pas un jeu, c'est une horreur. Acarius. Il y a un truc avec Arcania. Il y a le jeu Adventure, donc je vous. Mais oui, il y a le jeu Adventure. Adventure, il y a le jeu Adventure, ça marche. Équipe B. Équipe A plutôt, il faut un jeu commençant par B. Battlefield. Moi, c'est Call of Duty. D. Donkey Kong. Bien. E. Adieu. Bande de mauvais, j'en ai un. Everybody comes to the Raptor, ça marche. F.
Final Fantasy, j'ai entendu Fallout, j'ai entendu un peu de tout. Grim Fandango pour le G, c'est bien. Allez. H. Half-Life. Half-Life, parfait. Oula, J. Il y en a plein, il y en a plein. Moi j'en ai. Ah oui, I. Bravo, c'est encore plus con. I, par contre, j'en ai pas. Enfin, moi j'en ai pas tout de suite, ça va venir. I am Braid. Il y a Iron Quest. Ah ta gueule. Outre le I am Braid, il y a le Iron Quest où t'es un petit vaisseau dans. Ou Iron Cast. Il y a aussi Iron Cast. I Fluid. J. Journey. Ou Just. Just the Cause. H. Non, attendez, A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K, K. Voilà. Je ne sais pas mon alphabet, c'est incroyable. K. Oh, il y en a plein. Oh, il y a Kebal. Koala Racing. Kebab. Kebab Simulator. Call of Duty avec un K. Eh, faites gaffe, je donne un point là. Kebal, il y en a plein, mec. Kaka. Kaka. Kebal. Kebal, ça me dit quelque chose. Où ça sèche. Attends. Allez, 10, non. 9, il y a un jeu de Metroid qui s'appelle Cred. 6. Cred, de quelque chose. 4. Ah non, il me faut un nom exact. Et il me faut un jeu par cas, il faut que vous dissertez. Killing Joke, c'est pas un. KKK. C'est un comique. Il y a King of Fighters. King Kong. Voilà, voilà. Dans le genre. King Kong, oui, il y a eu des jeux King Kong. Clash of Clans. What? Candy Crush Saga. L, un jeu qui commence par L. La pute. Limbo. Limbo. Mortal Kombat. Mortal Kombat. N. Naruto. Nique ta mère. Oui. Non, mais je veux un nom exact de Naruto. Pas juste Naruto, y a pas de jeu qui s'appelle Naruto. Naruto Clash of the Ninja. Non, ça n'existe pas. J'ai envie de donner un point à l'équipe adverse. Non, y a Denkaiso. Denkaiso, non, ouais, c'est mort, c'est pas un vrai nom de jeu. J'ai envie de donner un point à l'équipe adverse. Naruto, putain, tu les as laissés pendant 30 secondes. Mais c'est parce que vous avez 3 points d'avance, c'est genre de rêve. Nicaragua Racing, c'est bon, j'ai pas. Nicaragua Racing. Niga Racing. Need for Speed. Oh. Naruto. Overwatch. Quoi? Y a Overwatch aussi. Overwatch, oui, ça passe. P. Le jeu de Benoît Soukal. Oui. Je l'ai. Enfin, je peux confirmer. Le mec, il veut prouver. Tu. Il y a 13 Second Quest, mais ça commence non. Pas. Ah, c'est j'ai trouvé. Non. Quantum of Solace. Ah bah. Quantic Dreams. Quantic Dreams. Quantic Dreams. Non, c'est pas un jeu. Quantic Dreams, c'est pas un jeu. Ah bah, hé. Passe-moi le JV là. Tu vois le truc qui est en jaune là. Quantic Dreams, c'est pas un jeu, les mecs. C'est la boîte. C'est un studio. Le studio de David Cage. Mais oui. Alerte Google. Bah, Quantum Break, ah non, c'est pas Quantum Dreams. Ils ont raison, c'est Quantum Break. Mais Quantum of Solace. Non, il y a je crois qu'il y a un nom de voilà, ils sont beaux et c'est ça qui a passé. Non, c'est vraiment les mecs, faut être sérieux. En même temps, c'est Naruto qui est déjà sortant depuis vraiment. Allez, après Q, c'est Menopé Q. R. Rogue Legacy. Merde. Rogue Legacy. S. Super Hexagone. Super. Oui, il y en a plein. Super Meat Boy. T. Titan Quest. Ouais, bien. Titanic le jeu. Titanic le jeu. C'est ce jeu où tu dois perdre. Le bateau doit tomber. C'est un jeu où tu dois peindre. Tu es l'iceberg, je dois niquer tous les bateaux. Boy, c'est un jeu érotique. Il y a l'Uberboy. Hypervolt. Non. Il y a. Tes gueules, c'est mort. On est payé, il est passé. Il y a Uncharted. Ouais, il y a plein de jeux sur Wii U. Il y a Underworld. Il y a. Uncharted, c'est bon. Non, mais c'est bon. V. On en a trois. Vivaldi. Viking. C'est un jeu Sega. Mais c'est trop facile ça. Viking, c'est un jeu Crayon Interactive. Il y avait aussi Volgar the Viking. Voilà. W. Westland. Bien. X. Xenoblade. Xenoblade, ouais, tout à fait. Yu-Gi-Oh. Il y a aussi X. XCOM. Ah oui, c'est vrai. Et enfin le Z. Allez, Zone of the Enders, Zone of the Enders. On a envie de le placer, Zone of the Enders. Non, c'est la légende zombie. Bon, allez, on s'arrête là. 10 points pour l'équipe A, 8 points pour l'équipe B. Victoire de l'équipe A. Parce qu'ils sont. Ils sont plus aussi. C'est vrai qu'ils étaient 5. Et du coup, ils sont où les 3 points de. C'est généralement dans les réponses de rapidité. Voilà, il y a une bonne réponse, je mets en Call of Duty, je le retiens. Alors qu'est-ce qu'on a appris de ce podcast? Rien du tout. Alors on a appris que je n'ai pas de copine. Le jeu vidéo c'était super et que tu n'as plus de dignité. Ouais. La dignité est partie, très loin. Que mon respect est mort. Que le respect que vous avez de moi est mort. Allez, dites choses. On a une passion certaine pour les robots. Allez, on va faire un dernier tour de table. On va commencer par Monsieur Soulou, un dernier mot sur ce podcast.
N'importe quel, on s'en fout. Pamplemousse. Voilà, super. Greg. C'est toujours le même. C'est toi qui paye. Ok, Valéria. Valéria. Valéria Rivera. Valéria, un dernier mot. On croyait qu'il était enterré, on l'a creusé pour qu'il aille plus profond. Ah, c'est même pas si il est sous terre là, c'est du tout. Bientôt arriver en Chine, mec. Oh, il a mal! Oh, il a mal! J'ai honte! Lâche les larmes! Mais ah, mais putain! Aigre, ce goût sur moi, je ne suis pas surpris. Simon Le Borgne, un dernier mot. Abonnez-vous! Le chevalier blanc. Je suis le chevalier blanc. Le chevalier blanc. Flo. C'est pas ça mon mot. Oui, Lilo, Flo, ce que tu veux. Un dernier mot, c'est tout. Il Flo. Lisez des choses. C'est bien des choses. Des choses qui étaient écrites. Red, qu'est-ce que tu as pensé de ce podcast pour la première fois? Adopte un mec. Nayeb, un dernier mot. Corée du Nord. C'est peut-être là-bas que je vais aller au final parce que vous êtes tellement des fascistes. Soul, le respect est en prison. Nicolas, j'ai mal à mon respect. Choupies. Ça sera coupé, je pense. Ça sera la toute fin du podcast. Et si les gens restent pendant 10 secondes, après, bah boum, ils ont ça.